Bonjour tout le monde, bienvenue au rendez-vous quotidien altislifefrance.com, 20h minuit, comme tous les jours, comme toute la semaine, comme tous les mois, comme toute l'année, comme tout le temps. Voilà. Bon, merci à tous d'être présents, déjà si nombreux pour le rendez-vous communautaire et le giveaway du soir, 20h minuit. N'oubliez pas qu'il est toujours d'actualité, point d'exclamation giveaway quand on le lancera. Et les bonnes réponses seront tirées au sort pour gagner un jeu gratuit Uplay. Voilà. Bon, pour ce soir, banque, pas banque, rebelle, pas rebelle, PO, pas PO, on n'en sait rien. C'est la surprise du serveur, c'est la surprise des joueurs. À eux de voir, à eux de nous faire frissonner. Et j'espère que vous allez prendre du plaisir à regarder ce live. Merci aux followers de cet après-midi, merci aux nouveaux abonnés de cet après-midi. Merci à tous de votre fidélité. Allez, c'est parti pour Springfellow TV. Amusez-vous, mariez-vous, faites vibrer le chat, faites-le trembler jusqu'à ce qu'il explose mon téléphone. Bon allez, bon live à vous. Je sais plus. Ah, il est là. Alors c'est bien, je suis magicien. Je marche dans. Dans l'eau. Alors, faut que je prenne à bouffer. Bouillons-moi. Oh, dis donc. Ah, il n'y a plus de sous. Bah ouais, il n'y a plus de sous. Putain, j'ai déjà plus de pognon. Comment ça se fait ça? Ça, on s'en branle. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il faut que je prenne encore une herse. Ça peut aider. Après, sur moi, j'ai quoi sur moi? Oula! 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 J'ai presque plus rien, là. Comment ça se fait, là? Comment ça se fait que j'ai plus rien? Réponds pas. J'ai l'impression que quelqu'un me parle, mais je suis pas sûr. Allô? 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 Bon, y a personne. Quoi? Ouais, je veux pas déranger lors de cette arrosée. Ah si, j'ai pris un taser. J'ai rien oublié. Bonjour Calvin. C'est bon, vous avez pris votre sauce? Non, non, pas aujourd'hui, non. Yeah. Salut Vini, Vidi, Vidi, Vici. Pourquoi il est attaché lui? Salut Fiston, ça va ou quoi? Putain, c'est moi qui... Ah ouais, c'est moi. Comment ça se fait? Bah c'est moi, attends. Attends. Ah ouais. Oh putain. Oh bah je savais pas. Bon ok. Moi bah point d'exclamation. Ouais, ouais c'est ça en fait. Regarde, ça fait bizarre, regarde. Hop, hop.
Je savais pas. C'est chelou ça. Attends. Bah ouais, c'est bizarre, je savais pas qu'il y avait ça. Bon, bonjour mon général à gauche et mon général à droite. Ça va ou quoi? Putain, ça c'est pareil, ça fait bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'il reçoive une bouteille là? Bah c'est pas tort, il a pas tort. Bah ouais. Et c'est quoi? C'est la vérité qui blesse ou c'est quoi? Bah je sais pas. Bon, on va prendre une voiture. En avant! Bon, ça marche. Bonjour tout le monde, pardon. Bonjour tout le monde sur le chat. Ça a déjà fait ça. Comment ça va là-dedans? Bonjour tout le monde, bonjour Omega! Bonjour Narilos, bonjour Taiko, bonjour à tous, bonjour ma modératrice. Bonjour mes amis, bonjour les abonnés, bonjour les followers, bonjour les donateurs, bonjour tout le monde. Hop, voilà, je vous remets le Du son. coup, je finis de Je vais essayer ravitailler de dire mon des véhicule choses et qu'il on n'y a pas arrive. besoin d'entendre sur le live. Donc Ah, voilà, tu veux bon, vraiment la bienvenue à jouer close tous. call? Bah pour votre petite Tracé noir, information, combien? je vous ai Ok. remis 5000 points de fidélité. C'est Ouais, bah aujourd'hui écoute. même qu'on a lancé la chaîne. C'est aujourd'hui même qu'on a 2 mois de Encore plus chaîne. ici, dis donc. Ça va être trop bien. Donc je vous ai tous mis Une 5000 fois que points de t'as le fidélité. schéma en tête, je te laisse enlever les traits. Hop. Alors là-dedans, il y a quoi? M320? C'est le tien. Un bouclier encore là, Moi j'ai encore mon en bouclier. plus de ton Ouais. taser. Ouais. De mon taser. Moi, une seconde, j'ai oublié un truc ultra important. C'est quoi un téléphone? Il y en a un Un ici. chargeur. Alors, T'es toujours en bas, étant Tata? donné qu'aujourd'hui ça fait 2 mois, messieurs, mes amis, chère communauté, ça fait 2 mois aujourd'hui que nous avons ouvert les portes. Donc, pour la peine, et comme je sais que vous êtes tous des fidèles, c'est cadeau. Je vous donne. Ah merde. Je vous donne à Il tous faudra passer canal 3 comme ça je vous fais un pour que vous puissiez add points all. Pourquoi ça marche pas? Un des. Points. Points. Pourquoi ça marche pas avec mon téléphone? Allez, on all. Cobra 3 passer canal 3. 5000. Et voilà. C'est cadeau. C'est cadeau, mes amis. Vous avez 5000 points de plus. Comme ça, vous pouvez vous éclater. Vous avez en tout 10 000 points chacun pour l'ouverture de la chaîne depuis 2 mois, officiellement. Merci à vous, votre fidélité paye. Merci de votre présence. Monsieur. Bon, pour le giveaway, est-ce qu'il est déjà lancé, modératrice? Oui? Non? Bah, j'ai déjà des réponses, hein. Alors, ouverture du concours. Ah bah tu viens de le faire. Hop là. Combien d'épisodes Dragon Ball Z ont été diffusés au Japon entre le 26 février 86 et le 19 avril 89? On va éviter de casser. Bon chance. Merci. Mec, pense que tu vas faire ta soirée sans Bah, mon il y a encore de chiens dedans en fait.
m'entends pas ou comment ça se passe? Ils s'en foutent de ma gueule. Bon, ça accepte. T'acceptes quoi, toi? Ah bah, ça y est, ils sont partis. Attention, il y a des problèmes. Ah bah... Ça va, David? Ça vient de... Bon, sinon... Personne m'entend, là? M'entends pas, là? Ah là, si. Ah si, bon bah je parle depuis tout à l'heure en fait. Bah écoute. Bon. Putain, je suis trop tenté. Avec... Donc ça se gueule parce que Kali est rentré par piston. Non, je sais pas. Mais merde, j'ai plus de ma radio retournée, putain, mais c'est pas possible ça. Voilà, il a bien. Donc j'ai la radio. Ouais. Alors elle est rentrée jeudi, elle était pas là hier, elle est pas là aujourd'hui. Bah ouais. Écoute, on la verra. T'es sur 7 déjà. Ça. Futur des squads, hein. On va faire un crochet. Un nouveau lead des squads, hein, il se démerdera avec. Hein. Oh. Alpha, j'ai cassé en voulant esquiver le pack sur route. Le pack. C'est bien pris, pas de soucis, réparer les autres, on n'attend pas. Si vous avez un problème, vous communiquez radio. Je sais pas où est le tribunal, du coup on vous suit. Elle a ses problèmes aussi. Hein? Bon, vous tiens, je vous ai mis un petit tracé. Elle a ses problèmes. Je ne sais pas, peut-être. Comme tout le monde. Dans ce cas-là, tu n'appliques pas pour une semaine de test en recrue, quoi. En fait, des véhicules ici, là. Ouais. Levin, qui c'est? Même un I4. Un tout de DD, vous recevez? Le tribunal il va pas intervenir, mais c'est ce que je pense. Allo, allo? Ah bon, bah, de toute façon, personne n'entend là-dedans. S'il n'y a pas de tribunal, c'est ça? Ouais. Scorpion, hein, les gars. Peut-être maintenant qu'ils vont se réveiller. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, mais j'arrive pas à trouver le bon truc. Ah, en deux temps. Ils ont été autorisés par le ministre. Et apparemment, il y a un truc qui peut vous intéresser vraiment, par contre, c'est qu'apparemment, ils ont
un flic qui travaille avec eux. Ah oui, dans le sens qu'il leur dit des choses. Non, mais qu'il leur dit des vraies choses. Bah, il leur dit des aussi. Mais après, faut le voir, c'est qui le nom du mec et tout. Ouais, c'est ça le truc. Et j'ai une preuve vidéo où il dit, ouais. Qu'est-ce que c'est ? Un flic qui nous donne des preuves et tout. Ah, yo, wesh, wesh. Ouais, ça va ou quoi ? J'ai peur de dire un nom et de me tromper. Dédé ? Ouais, c'est ça. Comment ça va ? Au Dédé ? Ah, là, il part. Super, je viens de ramener des infos. Je viens d'entendre un truc là. Ouais ? C'est quoi cette histoire de flic qui donne des infos là ? Ah, déjà, il y a un flic qui m'a balancé. Mais bon. Et qui donne des infos aux scorpions, comme quoi bah quand vous allez les voir, tout comme ça. Est-ce qu'ils ont dit une nouvelle loi? J'ai pas. Moi je sais c'est quoi les lois, hein. Mais non. Moi j'ai pas le nom ni rien. Après moi j'ai pas le logo de Dieu, donc j'allais pas leur dire les gars. Moi j'aurais dit faites ce que vous voulez, c'est pas moi. Ok. Ouais, écoute. En vrai je verrai ça. Je le dis, après vous faites ce que vous voulez, vous êtes assez grand quoi. Ok. Inquiète-toi pour ça. On verra après, ça avec. Après, ça dépend les infos. Mais apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça a déjà été réglé. Il m'a dit je sais pas quoi, sauf que j'étais en mode. Ouais. Ok, bon, on verra ça avec le gouverneur. Oh. Au pire, tu regardes si ça a déjà été réglé ou pas. Si c'est déjà réglé, ça passe. Si c'est pas réglé, bah. Non, mais je regarderai pas ça. Ok, ça marche. Sinon, attends, mes infos. Bon. Ah oui, tes infos, là, oui. J'ai une preuve vidéo du chef du PDG du casino qui dit quoi, il est scorpion lui-même. Mmh. Qu'il travaille en gros avec son groupe, qu'il a des maisons, qu'il gère le SD sur Negades, des armes, du stuff bandit et tout. D'accord. Sauf qu'il m'a payé 6 millions pour que je ferme ma gueule. Ah, bah t'as vu, tu viens de fermer ta gueule là, non ? Ouais, mais non. Je faisais pas la vidéo. Ah, donc et moi, j'ai quoi là ? Donc toi, tu veux plus que 6 millions en fait ? Pas forcément. Genre, vous êtes la police, donc je peux prendre un peu moins. Mais faut qu'il y ait quelque chose à prendre en compte. Voilà. Bah, ouais, je sais. Je suis en train de parler, mais je t'aurais pas. Ah bah, bonne discussion, les gars. Ouais, merci. Désolé, je dois régler des points. Un certain problème et du coup je dois tout paramétrer. T'es au courant qu'il y a tribunal ce soir? Oui, j'ai le droit de descendre au tribunal moi. Bah oui, c'est public. Attends, pardon, j'ai des problèmes donc je vais y aller quelques minutes si je veux. Déjà, juste je vais dire d'autres trucs, vos indiques déjà ils disent sur tous les toits qui sont indiques, genre l'autre au parking du garage, ouais, je travaille pour la police, je vais voir le tir et tout. Et surtout, j'avais une question. Pour devenir, je crois que c'était procureur ou je sais pas quoi, j'avais demandé au ministre, il avait dit de passer avocat et ainsi de suite, devant un magistrat. Ouais. Que je suis obligé de passer par le rang avocat? Genre les services que je rends là, ils sont notés, j'espère, dans mon truc. Je sais pas, tu vas faire noter une fois que tu les as fait, non? Ok. Bah, une fois qu'ils sont faits, il y en a déjà un qui a été fait, il y a eu deux mecs de livrer déjà. Yuri, il faut pas tout mélanger non plus. Ouais, je sais, mais bon, moi mon but c'est. À un moment donné, t'as pas la main de Dieu, quoi. Moi, la main de Dieu, je la coupe. J'ai jamais dit que j'avais la main de Dieu. Moi, je les coupe les mains, tu vois. À un moment donné, quand tu m'arraches le bras, bah j'arrache la tête, quoi. J'ai mes deux bras encore. Voilà, allez, on y va. Bon, allez, on se casse. Allez, à plus tard. Tu sens bon, toi. Toi aussi. C'est quoi le problème, non ? Ça me manque la police d'un côté. J'en ai marre. Dédé, tu me manques, j'ai envie de revenir policier. Ouais. Fais en sorte que je te manque pas trop, en fait. Je vais vérifier un truc, on va y aller. Tribunal n'attend pas. Je sais pas à quelle heure il commence. 21h je pense. Ça s'est trompé de date je crois sur le note. Trompé de jour. Il y avait marqué vendredi 18. Ça fait aucun sens. Bon, comme par hasard. C'est qui le tribunal acquis aujourd'hui? Tu bouges un peu, tu fais ce genre. De quoi?
Il change tout là. Le tribunal. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tribunal aujourd'hui. Putain. Oui. Putain. Le giveaway. Alors le giveaway. Putain, Tico, t'as l'air. T'es au taquet, toi? Voilà. Ça triche. Un épisode de DBZ était diffusé au Japon entre nous. Une vieille action. Quelle question. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Mortaxi là? Qu'est-ce qui se passe? Salut Mortaxi, bienvenue à toi. Merci d'être là, fidèle et présent comme à chaque fois. Qu'est-ce qui t'arrive? Un peu dégoûté, mais ça va. Qu'est-ce qui t'arrive? Explique-moi. Ici, là. Non, je parlais aussi dans le fond là-bas. Ah, je le ferai après la séance. Pas... Quand ça se fait qu'il y a personne à l'entrée là? Bah, je sais pas. Une question. Pousse-moi ta chiotte là. Ouais, faut la repousser. Faut leur parler comme ça parce que sinon. Vous êtes bien méchant quand même, monsieur. Ouais, je sais, je suis un enculé. Ouais, tapette, qu'est-ce qui se passe là? Oh, ça ouvre à quelle heure? Hein? Ça ouvre à quelle heure? Oui. Il y a marqué quoi sur les aiguilles devant moi là? Faut les marquer ça. Sur le panneau là. Il y a marqué quoi sur les panneaux là? Sur les aiguilles là, derrière la barrière. Ah bah voilà. Ah bah y'a pas d'heure? Bah sinon on vient pas hein. Ah bah voilà, c'est là. Bah c'est là. Ouais, fonctionnaire, vas-y, je me râle et tout parce qu'ils se gardent plus de pognon que moi. Et me foutent à la tôle. Mais va te plaindre là-bas, mon gars, c'est la prochaine à gauche. Le c'est là qui rendez-vous ce soir. Pour être aimable. Quoi? Ça fait bien les condés. Vous allez pouvoir attendre un petit moment parce qu'en fait, il faut rentrer par votre gauche en fait. Il y a un petit. Ouais, t'as le. Tu vois là-bas? Tu vois là-bas? Fallait le dire. Tu vois, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il gueule en fait? Qu'est-ce qu'il gueule? Qu'est-ce qu'il gueule? Reste aimable. Reste aimable, je te le dis, moi. Ouais, pas moi. Reste aimable. Allez, casse-toi, la fête. Va cueillir des pâquerettes. Là. Quoi? Bah, tiens, je te tutoie, moi. Ouais, c'est quoi, votre attendez, bah. Okay. J'ai craché pour des vrais en plus. J'ai entendu, vous êtes témoin? Ouais, t'es témoin, ouais. Je vous demandais de mettre les mains sur la tête. Ouais, mets les mains sur la tête, interpelle-moi-le, là. Interpellez, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Craché pour des vrais en plus, la honte. Bon, je vais arrêter de sortir, sinon ça va vous faire chier. La prochaine fois, c'est terrible, ça sera bon. T'es concentré sur mes papiers. Combien de personnes qui passent à un procès aujourd'hui? Ah, je sais pas. Mais respect, vous pouvez rentrer. Des vous. Avocats. Merci. Attends, je repasse. Hop. Ouais, pour rentrer quand vous voulez. Oh, allez, je repasse encore une fois. Hop là. C'est quoi? Pardon. Il y en a un qui est malade. Hey, Jen. Bonjour. Oui. Le Tarzan. Papier d'identité, s'il vous plaît. Ah oui, le Tarzan. Allez. J'ai dit, il est où Tarzan? Oui. Je comprends rien. Monsieur le ministre, vous avez un beau costard. Oh la vache. Il est beau votre costard, j'aime beaucoup. C'est pas tout le temps qu'on le voit comme ça. Hein. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes le ministre, moi? Non, lui, c'est. T'es le ministre, toi? Un avocat, je suis. Ah, d'accord. Encore un avocat? Oh là, je m'en vais, ça pue le chien. Là. Oh là. Très bien aimable. Ah, bah, attends, je ferme la porte. Il y a un policier qui crée une faille dans la sécurité. Ouais. Hop, une hop là, oh, allez, voilà, c'est ça. Hop là, regarde, et ça referme. Hop, et voilà, j'ai plus envie de te parler. Hop. Bravo. Il y a un procureur, un truc comme ça ici là. Parce que moi je vois des potes sur le policier qui m'a dit. Bonjour monsieur. Bonjour, qu'est-ce que vous venez faire ici? Bonjour, salut Fifou, bienvenue à toi, merci d'avoir followé la chaîne. Bienvenue à toi. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord et sur YouTube pour envoyer les lives. Ah, si.
Monsieur Norris, je vous demandais de vous retourner, s'il vous plaît. Bah, je vais aller. Encore ? Oui, je vais juste vérifier qu'il y a un sur vous. Parfait. Je vous libère les mains, bienvenue au tribunal. Oh, bienvenue. Ouais, merci. Bonjour. Vous voulez monter au papier, pareil, s'il vous plaît ? D'accord, envoyez-moi vos données. Moi, c'est le ministre. Passe. Ouais, rien d'autre, monsieur. Oh, monsieur Gizeman, comment vous montrez, vous êtes sûr ? Ah, bon, avocat, il est là, j'entends. Je vous tends, là. Bah, vous. C'est déjà tête de cœur, c'est bon. Monsieur Gizeman, vous. Les personnes qui vous présentez sont pas là ? Regardez, là. Si, là, j'ai monsieur Javois. D'accord. Après, monsieur Gelloc n'est pas là. D'accord. Morgane, toi, tu représentes ta. Carte. Ouais. Je suis là, je suis là. Attendez. Ok, j'avais peur, je voyais pas. Moi, non. Non, je suis là. Bon, ah là, monsieur Black, parfait. Le au tribunal. Ah, tu vas me faire chier. Qu'est-ce qu'il faut que je déclare, moi ? Oh, bah, c'est faux, mec. Est-ce qu'il y a un moyen, on peut se voir ? Normalement, il y a des filles. Donc, j'ouvre le tribunal dans 10 minutes. Donc, si vous avez des dernières choses à voir avec vos clients ou choses, vous pouvez aller dans la salle principale pour voir, pour vous mettre en privé dans des coins, si vous voulez. En attendant, vous pouvez faire un dernier topo, je vous autorise. Marche. Tu bougeais pas. Oh, vous laissez faire vos cochonneries, hein. Oui. C'est bon, on peut attendre. Oh, moi je suis déjà le plus heureux, c'est bon. Oh, mais casse le. De quoi le plus riche ? Bonjour, monsieur l'avocat, je sais pas comment vous appelez. Vous. Ah ouais, monsieur, c'est bon. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît. Excusez-moi, je voulais juste parler avec l'avocat. Excusez-moi. Là pour faire la manche. Non, à part un gendarme, enfin un policier dehors là qui m'a craché dessus. Mais t'as pas été correct. Ouais. Ah, ouais. J'en sais rien. Comme quoi, je ne fais pas ça pour l'argent, voilà. L'argent hein, et je le jure. Mais lui au moins, il est là. Oh, ça c'était petit ça. Ah non. T'es un enculé, Vlad. Ah, c'est lui qui. C'est lui qui l'a dit. Ah ouais, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours second degré. Patrick, tu vas aller avec Odor, tu vas aller poster un message sur le. Putain, sur c'est comme dans pour marquer tribunal planchement d'argent, tribunal ouvert sur public. Je suis jamais allé, mais. Yo, Pessers! Orange, hein. Pas beau. Bah, Entraîneur, c'est de la merde. Silence! Je te mets pas. Je sais pas s'il y a un bon pour les avocats ou si juste le bon style. Bon, toi, je te dis ça. Ah, ouais. Là, ouais. Tu vois, ouais, là-bas, vu que c'est la première fois. C'est là-bas où il y a le rond. Faut que t'ailles devant. Ah oui, bien sûr. Ah, mais non, je vais mettre derrière le rond. Allez, c'est parti. Salut Alex, comment ça va ? Moi j'ai un. Tu sais que j'ai un siège spécial, il y a une petite étiquette où c'est marqué Claude Cordia. Bonjour Fifou Gaming, bienvenue, merci de leur follow. Salut Skiver, c'est toujours en retard mais toujours là. Ah non, je t'ai vu arriver, j'ai vu ta PDS. Omega toujours à fond sur les jeux. Bienvenue tout le monde, bienvenue la jeunesse, bienvenue les vieux, bienvenue les followers, bienvenue les abonnés, bienvenue. Tout le monde, bienvenue. N'oubliez pas que vous avez le giveaway. Point d'exclamation giveaway pour savoir la question du live pour gagner un jeu gratuit. T'as tout le monde qui se plaît. Ouais. J'aime pas le contact social, je crois. Là, c'est un tribunal. Rempli, mais là, soirée tribunal. Il a dit, c'est pour faire style. C'est style, hein, ouais. Cordias. Donc, okay, ça va être beaucoup de RP. Blabla Cordias. Justice. Ah, excusez-moi. Bonjour, vous êtes. Je reviens de loin. Sous le côté. Oh. Qui revenait de loin. C'est pour toi que je suis. Je m'achète une chaise. Là, ça devient super, là. Tu m'as insulté, tu te rappelles.
pour rigoler, donc vous n'avez pas l'air trop crédible, monsieur. Vous... Présentez-moi votre pièce d'identité. T'as pas à me connaître, Cordias. À l'école, tu me tapais. Non, c'est moi qui t'ai tapé, la blague. Mais mec, c'est tellement vrai. Cordias. Ça ne part. Je te rappelle pas, tu es la brute. Chou, la brute. Putain, j'ai mon avocat qui a disparu. Ouais. Ah bah vous avez toujours un ici si vous. Ouais bah ouais mais l'autre il a déjà encaissé l'argent. Comme ça, oh, putain. Quelle blague. Allez. C'est quoi cette tenue là? T'es quoi du coup toi Vlad maintenant? Arrêtez de jouer, arrêtez de jouer. Monsieur, vous êtes qui vous? Parle à moi Vlad. Non mais maintenant t'es quoi là maintenant? Salut Baxter, comment tu vas? Merci d'être présent. Rapport, putain Sylvano il déconne. Hein. Tribunal, alors je sais pas du tout qui, de quoi, de qu'est-ce, de quelle affaire. Il a disparu, le dossier était pas prêt, lui... Oui, j'ai pas vu ton truc là. Mais non mais mec en même temps, tu ne tournes jamais le dos tu vois. C'est pas comme si il y avait marqué aussi Marshall devant mais c'est pas grave. Eh bah... Contre-officier de meurtre, détention d'armes illégales, Dans Cordia, vous êtes maintenant avocat. Enfin, le plus gros truc, c'est complicité de meurtre. C'est pas trop dur de faire le piqué là. Black. On t'a déjà vu au casino. Tu veux que je te mette à piquer moi? Tu veux que je te mette à piquer moi? Non, non, tu veux aller farmer du bois. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Non, 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 non. Bah, non, vas-y, laisse-moi respirer, tu pompes l'air. D'accord. C'est légal ça? Qu'est-ce qui est légal? Ah, mais je veux dire, légal et en même temps, l'avocat d'entreprise et dirigeant d'entreprise, genre c'est un sacré délire. Vous êtes quoi? Assistant, pareil. Et il y a un... C'est dans la direction, quoi. Et vous êtes sympathique, mais vous posez beaucoup de questions, vous, sur tout le monde, hein. Ah parce que je suis nouveau sur l'île, excusez-moi. Ah ouais. Bah ouais parce que oh là prise de tension, non c'est pas ça. Ah j'adore être con en fait. Ouais je vous sens chaud. Ouais. Tu t'es senti seul là. Bien, vous. Avoue que tu t'es senti seul, Clinou. Ouais. Ah ouais. Baxter, ah t'as crash. Fais quoi? Maintenant. Tic. Bah oui, quoi, je suis arrivé. Bonjour, Lombard. Oh, génial. Ça va? Qui c'est bien? Qu'est-ce que t'as foutu, mon ordinateur? Allez-y, monsieur, tournez-vous. Alors, Sylvano, c'est quoi ton prénom, Sylvano, là? Hop, là. Ah, prêt à aller travailler, mais pas prêt à attaquer. Ça me va? Sylvano, quoi? Je suis Sylvano, j'ai pas de Sylvano, il me faut ton prénom. C'est un télémètre? Bon, regardez, hop, on le pose. Ça va mon commandant? Les deux. Ça va et toi? Ouais, ça va. C'est un peu de foot, t'es de la police? Ça m'étonnerait énormément. Hop. Pas de Sylvano là. Attendez, posez-moi la deuxième paire que vous avez pour y aller, monsieur. Petit Vano. On pose la deuxième paire. Parfait, vous pouvez y aller, monsieur. Bon, bah, j'ai pas de Sylvano. Hop. Enfin, Ibar. Oui. T'es lassé. Non, vous le savez. Et prévenu. Ah, Jura. Oui. Y'a Flibert. Y'a Shipper à l'intérieur, mais faut rien dire. On va pas le chercher. Dites-moi. Tout de suite. On le chope à la fin alors. Allez. Bon tribunal à vous, monsieur. Excusez-moi, messieurs, il y a pas quelqu'un qui a un costard à me dépanner? Pas sur quelle affaire, tu m'as dit? J'avoue. C'est sur un juger, non, non, vous pouvez vous défendre tout seul. Ok. Vous avez la capacité de vous défendre vous-même. Eh, hey, monsieur Riquette, là, vous avez des affaires avec ces Wally. C'est pas les trahis, là. Ouais, ça tchatche. Ah bah ça part. On fait comme il vit. Greg. Sylvano, il revient. Ouais. C'est quoi son prénom, c'est Sylvano? Il va finir au fond de la lave. Quoi? Mais c'est des menaces, ça, monsieur, devant un policier? Non. Mais, interpellation, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une équipe pour interpellation. C'est bon. Ah si, c'est bon.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais. T'as cru que c'était un appartement ici? T'as cru que c'était une boum? Qu'on avait fêté mon 16e anniversaire avec un gâteau et des chapeaux pointus? Hein? T'as cru qu'on avait soufflé les bougies ici? J'y crois pas trop, 16e anniversaire. Ouais, toi, t'es bien insolent, toi. Tu vas te la prendre dans ta tête, toi. Tu vas te la prendre dans la tête, celle-là, toi. Des gens vous voient. Eh, on va se calmer, hein. Ouais, ouais, vous voient, tiens, regarde. Regarde. Hey, voilà, vous-moi le celui-là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça, ouais. Ça finit sur Snap. Ah, bah, vas-y. Ferme ta gueule pour voir. Ah, ouais, c'est pas mal. Allez, hop, ça c'est fait. Sécurité pour vous, nous. Et je t'appelais Mouloud. Pas tellement intelligent, c'était des jeux tout à l'heure. Tu te connais? Ah. Non, non, j'ai dit bonjour. J'ai mal. D'accord. Je suis dans le divan, s'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider. En même temps, je pourrais pas trop vous reconnaître. Si regarde, je connais derrière mon avec la cul, là, regarde, j'ai encore de la shit collée là. Ouais, mais parce que j'ai une maladie de peau en fait. Parce que ouais, j'ai eu un rapport sexuel hier soir avec une copine que j'ai rencontrée dans une discothèque. Et en fait, compte, elle avait été porteuse d'une maladie. Ah, allô? Vous me demandez parce que vous avez jamais goûté la chair humaine? Si, au contraire. Au contraire, qui me dit. Hein. Je suis pas de la police, monsieur. Oui, venez, s'il vous plaît. Juste. Encore? En fait, j'ai reçu un message là d'une personne se prénommant Gourou. Et c'est dit à Fredo de se préparer à Tatad. Alors je sais pas si c'est pour ici. Viens, Iron. Où ils sont trompés de numéro. Ah c'est, ça, c'est juste pour vous prévenir. Je sais pas d'où ça vient. Ok. Un numéro que je ne connais pas. C'est pour vous prévenir. J'ai reçu ça. D'accord. Merci, monsieur Farr. Affirmatif. À tous, j'ai un civil qui vient d'avoir un message en disant de provenant de monsieur Gourou, d'un gourou. Prépare-toi à Tatad. Donc je veux tout le monde en sécurité. De se préparer à Tatad. Alors, je sais pas si c'est pour ici. Est-ce que pour la sécurité intérieure, est-ce qu'il y aurait un Fredo qui serait passé? Mais je suis rien là pour le mariage. Allô? Je vais quitter la salle pendant 5 minutes le temps que. Oh putain, mais c'est pas vrai. Je sais pas si c'est pour vous, mais je préfère vous prévenir. Je sais pas pourquoi j'ai reçu ce message. Ouais. A tous de DD. J'aurais trop aimé faire juge. Y'a pas des pierres. Et t'es en beau fessier, toi. Putain, mais. A tous de DD. On va aller. Pour information, ceux de passage, est-ce que vous avez contrôlé un certain Fredo? C'est peut-être pas ici. Hein, mais... Je t'avoue qu'on a pas pris les cartes. Bon, bravo. Félicitations, vous êtes vraiment des professionnels de ne pas prendre les cartes. Ensuite, ok, j'ai un civil qui vient d'avoir un message téléphonique disant que à Fredo, prépare-toi pour Tatad. C'est quoi le tribunal qui a sorti quand même, hein? Ben, de Charlie, je peux te confirmer, on a aucune personne qui nous a montré une carte avec avec le nom Fredo marqué dessus. On sait jamais. Bon, faites gaffe quand même, sécurité à 100%. Bon, je sais pas pourquoi ça m'est destiné. Parce que vous êtes peut-être un délinquant. Pourquoi je vous aurais prévenu? Non. Vous êtes peut-être un bel, ouais, vous avez peut-être un contrat avec eux quand même, on sait jamais. Je viendrai vous voir à l'entreprise. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a jamais de problème jusqu'à ce que je découvre le poteau rose. Est-ce que tu me touches, toi? T'as cru que j'étais ta merguez ou quoi, là? T'as un beau fessier. Ah mince, pardon, il faut ouvrir. Putain, sans déconner. Oh, tu vas te engueuler. J'ai ouvert. Aïe. Ok. Non, t'es qu'il y aura un mouloud à côté de moi, il aura déjà pris. C'est Cobra 2, vous avez un civil qui arrive à l'entrée. Vous avez un beau pied de biche quand même derrière. Ouais, c'est pas un pied de biche en fait, c'est ma canne. Elle est petite la canne. Mais faut pas le dire, c'est pas pour ouvrir des portes, c'est pour foutre sur la gueule ceux qui écoutent pas en fait. Ah ouais, c'est violent quand même. Ouais, un petit peu. En plus, vous avez deux côtés, vous avez deux façons de faire. Exactement, il y a côté rebelle et côté bandit, regardez. Je vous laisse deviner lequel est lequel. Ouais, j'imagine. Non, mais en fait, là maintenant elles sont ouvertes. Et avant, elles étaient qu'est-ce que tu veux, chapeau? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, je regardais la pile. Monsieur qui. Non, mais je sais pas, depuis tout à l'heure, t'essaies de passer derrière moi là, t'essaies pas de me. C'est parce qu'il veut essayer avant. Ah! Dis donc, il y a Elvis à l'entrée. Salut Elvis, comment tu vas?
fessier, mais... C'est bien bon, c'est bon. Ouais, mais bon, quand même, faut avoir la classe, quoi, comme le monsieur, là. Cette phrase-là, moi, la première phrase... Ça veut dire interpeller sur... Interpeller sur la chose... Il y a un mec à terre, il est coma, sur zone, après avoir été sauvé... Ah non, coma. Il y a un coma, Il t'en veut le coma. Ah non, c'est bon. Ça va, monsieur? Ça va, monsieur? Attention au tapis, quand même, là. Il est pas trébuché autour du tapis. Ouais. Non, mais... non, c'est bon, il a trébuché sur le tapis. Non, non, mais... Okay, oui, hein, moi, je vous remercie, vous faites votre maximum. Hein. Bon. Bonjour, monsieur. Vous comptez votre carte d'identité, s'il vous plaît. Monsieur Hartz, vous demandez juste de me retourner, je vais vérifier dans votre sac. Impossible, vous avez payé. Non, respect. Y'a pas de respect. Je suis désolé, c'est une indiscrétion. Vous avez fait payer combien? Oui, c'est effectivement. On le fait passer en premier avec son claque. Excusez-moi, vous connaissez un monsieur Silvano? Procédure pénale de la police. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous connaissez un monsieur Silvano, messieurs? Bonjour, monsieur Silvano. Ah oui, bah si, c'est moi. Vous savez où il est? Ah, c'est votre avocat? Ah, parce qu'il vient de m'envoyer un message en disant qu'il me doit 1 million. Donc. Ouais, bah moi je l'ai payé 200 000, il doit me défendre, il est pas là. Qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, c'est bon, c'est bon, merci. Salut, Mouloud. Plus de respect. Plus de respect. Faites-les pas rentrer par là. Christ. C'est quoi ça? En Italie, on reçoit une éducation, mais tout le monde en a pas ici. Salut Adrien, comment ça va? Bienvenue à tous. Cool de récréation. La première affaire, vous avez pas eu vos droits? J'ai pas de preuves, mais j'ai pas de preuves. Ah ouais. En go-cush, il y a moyen de planer pendant l'audition là. Il y a moyen de planer. Hein. Tu veux de la drogue en plus? Tu veux par contre fumer un truc non plus? Ce délinquant m'a poussé au sol. Ouais, c'est vraiment des délinquants. Délinquants! Oh là là! Allez de vous, hein, monsieur. Ah, la mettre son masque. Non, de eux, oui. Je suis bien d'accord, c'est bien des déquins. Est-ce que vous connaissez l'histoire et la chanson du dindon? Bien, non, je connais. Eh ben voilà, on va chanter ensemble. Mais les couilles sont retournées, t'as l'air d'un évier. Mais les couilles sont ton front, t'auras l'air d'un dindon. Et voilà. Je fais très mal. Ouais. Quoi, quoi? Ah, l'opka. D'où son chapeau? Moi, je connais quelqu'un qui vient de Moscou. Ah non, c'est un petit peu plus d'est de Moscou. Ah, il est né à Moscou, puis il a été militaire, puis il a fait plein de trucs. J'y vais, lui. Et Jane, t'as pas eu Tarzan? Non, j'ai pas mes cheveux, non. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais t'es qui, toi? T'as pas mon pote, là, non? T'as cru que t'étais Tabataka chez Marocco Sigfredi ou quoi? Oui. Bah, je te laisse réfléchir à ça. Moi je fume pas de clope, moi t'es fou toi, pas de clope. Que des fous, que du naturel. Que du naturel. 100% bio. Exactement. 100% bio. Elle était bonne celle-là. Que du naturel. Il va un peu la jonge, quoi. Ah, et tu voulais un pet? Ouais, vas-y, passe loin. Allez, hop, on fait tourner avec les clics. C'est un coffee shop, hop. Elle est arabe. Par contre, la porte. Ouais, ouais, y'a quoi, ouais. Balance. Messieurs, dames, vous pouvez commencer à prendre place. On parle de vous. Ouais, c'est vous, madame. Allez-y, madame, après vous. Je croyais que c'était en réunion des. Je sais pas, moi. Allez. Eh, y'a pas. Oula, faire. Un gros con là. Ah ouais, de ouf. Ah, on va fumer dans le tribunal, hein. J'espère que ça va pas. Ouais, jamais. tranquille. Ah, bénéf. Voilà, vas-y. Allez, c'est des loges VIP là. On se dérre. On peut rouler. Allez, vas-y, Mouloud là, avance. Là. Ah oui, c'est bon, j'avance. Avance, oh là là, oui. C'est mon collègue. Tu t'es pas lavé toi ce matin encore là. Mais si, je me suis lavé, ça sent la weed là, c'est cannabis pour homme déjà. Ah, voilà, pourquoi, qu'est-ce que tu fais avec un foulard autour de la vie, du visage là? Parce que. T'as cru que je la planquais où la cons? Bah oui. Sous la casquette et sous tout l'or, hein. Bon, messieurs, c'est maintenant qu'il faut rentrer. Si vous voulez. Passe de la main. C'est quoi ça? Erwan, viens. Ah, on se met devant, comme ça on passe plus vite. Ouais. Putain. Jérôme. Hein? Jérôme, monsieur. Jérôme! C'est drôle, Jérôme! Pas, Jérôme. Bon, allez, le Jérôme. Plus grand silence est demandé, sinon. Ouais, ok, ouais, d'accord, ça marche. Sinon, Ok. Ouais, t'inquiète. On est bon là, il y a tout le monde. C'est pas une boucherie ici, messieurs dames. C'est pas une boucherie ici. C'est monsieur Silvano, donc du coup. Et moi, je suis témoin pour défendre Greg, s'il y a pas de problème. Ouais.
Merci. Merci. Salut. Si, 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 si. Si. Allez, vous installer. Por favore. Por favore, por favore, por favore. Mi amore. C'est pourquoi ils ont vu une victime. Mi amore. Jérôme, je crois que t'es grillé. Ah, c'est toi qu'on appelle la pomme ? La pomme d'Adam ? Elle est pas mal celle-là, non ? Elle était pas mal. Ouais, je sais. Et d'autres blagues à la con comme ça. Ah, bah ça, je vois ça. Bah, de rien. Bah alors, Cheetah, t'as perdu Jane ? J'ai compris, mais. Toujours pareil. J'ouvre la première session de ouais. Mario. Et ça, je te fais pas marrer ? Ouais, si, 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 si. Non, quand je rigole, tu rigoles. Ça dépend pour qui, Blake ? Tous les avocats. Ça dépend. T'aimes regarder la télé ? Quoi ? T'aimes regarder la télé ? Oh, je regarde plus trop la télé en ce moment, j'ai plus le temps. T'en vois faible, j'espère ? Oui, oui. Moi, j'en ai une sûre. Après. Je suis heureux, sans scénario. Vladimir Tyrus. Ah, fille. Putain, vous êtes tous russes là. Un problème dans votre pays ou comment ça se passe? Ah, mais je sais pas, il y en a plein. La rien que dans la salle, déjà, il y en a une dizaine quoi. Super tâche comparée. Entre Rosno. C'est place pour nous en fait. Ouais, c'est ça en fait. Entre Zix, Patriarcharf, Patrianov. Je vous laisse vous mettre sur le côté. Mouluganov. Mouluganov. Pas de la tenue, pas du produit. J'ai pas la barre, monsieur. Hein de quoi? Pas de la tenue. De quoi? Parlez de la tenue. Quelle tenue? Ah, que vous avez. C'est quoi ma tenue? Elle a quoi ma tenue? Non, mais j'ai pas compris, t'as essayé de me faire une blague là? Monsieur Mario, vous pouvez. Non, y'a aucune blague. Ah, d'accord. Non, aucune blague. Ah, d'accord. T'es quel grade en fait? T'es élève surveillant? Je suis passé aujourd'hui surveillant. Donc, je suis au tribunal. Il y a moi-même. C'est bien ça. Nous serons trois à décider. Quand j'étais jeune, j'avais ta place, fiston. T'es ce que je suis aujourd'hui? Vas-y. Un civil. Je suis une machine de guerre. Je suis une arme à tuer. Voilà. Donc, vous. Une arme qui utilise une arme. Que vous gérez. Pardon? Une arme qui utilise une arme. Exactement. Mais laquelle est la plus puissante? Celle que l'on tient ou celle qui la tient? Réfléchis à ça. Et tu me feras une dissertation de 3 pages pour demain. Vous avez 4 heures. Donc, nous allons pouvoir commencer. On croirait qu'il fasse mal parce qu'il y a un policier qui l'a accroché dessus. À vous, à votre ah ouais, je suis là. Pas. D'accord, donc mon client ici présent, donc monsieur Jawa, qui est ici pour une demande de blanchiment de casier. Suite à une raison très simple, voilà, donc il désire postuler au sein de la sécurité civile. Voilà, donc monsieur Jawa, on dirait une personne qui travaille au sein de la OIR. C'est lui qui recueille des terroristes, non? Qui est maintenant. Putain, je vous adore. Ouais. Ouais, je sais. Il y en a plein qui me disent ça, fiston, t'es pas le premier. Ah, ça, je m'en fous. Quand t'as envie de te marrer, tu vas avoir des dés. Et avec des dés, on ressort toujours bien habillé. De la tête aux pieds. Monsieur Jabot, bienvenue à la barre. Comment est-ce sérieux que cette personne? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous jure, je savais pas que c'était un terroriste. Je vous le promets. On est bien d'accord sur ça. Je vais être blanchi. Veuillez me faire rappeler que votre infraction. Je pensais que c'était le livreur pizza. Veuillez me faire. On m'a demandé de l'héberger, je l'ai hébergé moi. Il avait de la bouffe, non? Des fractions, c'est ça. Non mais si tu sais pas, tu vois, tu viens regarder la télé de temps en temps, tu viens me voir. Je pense à la télé. Je fais le one man show des fois. Et euh,
C'est gratos en plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as pas compris ou t'as compris? Parce que si t'as pas compris, je t'emmène dans la pièce du fond, je te tatane, je te menotte, je t'ouvre, je t'avance, je te pisse dessus. T'as peut-être compris. Allo? Qui me parle? Allo? 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 C'est bon, on a compris. Allo? Ah. Allo? Allo, chérie? Ouais, salut, tu vas bien? Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. Non, mais parce que. Non, mais je peux pas, je porte une cagoule là. Parce que j'ai eu un petit problème avant hier. C'est qu'en fait, je suis tombé dans un baignoire, il y avait de l'acide. Et du coup, je me suis cramé les sourcils. Et à force de cligner des yeux, je me suis cramé les joues. Ouais, je suis au boulot là. Je me fais chier. Bah, je suis à côté de la pomme d'Adam et de Tarzan et Jane. Non, c'est pas le livre de la jungle, le bordel. Hein. C'est vraiment la vraie histoire. C'est Blanche-Neige dans la jungle. C'est ça. Là, je t'expliquerai, c'est une longue histoire. Surtout maintenant qu'on a une bonne image de moi en tant que directeur. C'est pas vrai! Dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est vrai? Oh la vache. Attends, mais je vais dire aux autres. Et les gars, elle m'a fait une tarte aux pommes. Ah, génial. Eh ben, on arrive. Allez, vous êtes. Je les invite. Pas de problème. Ça marche. Bon, allez, bisous. Ouais, salut, maman. C'était ma mère. On fait appel à la cour. Allô? Si. Votre avis, s'il vous plaît? Allô? Oui. C'est un petit pétou, c'est pas grave. Ça se passe bien dehors? Affirmatif. Donc c'est un avis positif pour un blanchiment de dossier. Monsieur Guilmy? Bon, d'accord. Monsieur Sherman, votre point de vue, s'il vous plaît. Bon, je pense que monsieur a compris la leçon. Les faits qui lui étaient reprochés dans cette période. Néanmoins, ces actes qui ont été commis, entre guillemets, peuvent être, entre guillemets, pardonnés, même si, entre guillemets, la drogue pour moi. Vous savez que ça, c'est un fléau qu'on peut, notre pays, notre belle île. Pas bien, Jackson. Je jouais en même temps, très bien. Si pendant ces 4 mois, pourquoi pas passer l'éponge, si monsieur... Et passer du bon côté, si je puis dire, et nous prouver, en sachant que par contre, s'il y a de la récidive, la sentence serait plus lourde en cas de jugement par la suite. Donc c'est un avis négatif ou positif? Positif en soi. Monsieur. Ouais. Tout ce qui reste au tribunal, reste au tribunal. Ouais. Justice. Pourquoi? Ok, ça marche aussi. Non, c'est parce que j'ai envie de dire un truc à la monsieur qui est devant. Tantôt, et faut pas que quelqu'un me repère après tribunal. Faites attention, c'est pas sur le tribunal, on reste au tribunal. Bah oui, ok, merci. Hey mec. Oui. Donc, veuillez vous rappeler. Par contre, t'as pas une histoire drôle à me raconter, la vite? Donc, pour les frais de. Ah, j'ai une petite bite. Donc, vous devrez payer. Ah, mais c'est pas drôle, ça, c'est une réalité. Ah, pour les frais de... tu peux y aller. Non, mais tu peux y aller. Tu peux y aller. Donc vous avez payé les frais de dossier. Voilà, monsieur Aurélio, vous avez pris votre commission sur l'affaire. On se fait 10 000 par dossier, on va pas aller loin. Vous avez le droit de prendre une commission. C'est clair. Donc, pour les frais de dossier. Il est pas encore sorti du tribunal. L'affaire de monsieur Johnny Jawa est affaire clôturée. Donc votre dossier, il y a un blanchiment de dossier, bien sûr. Donc, vous aurez toujours un dossier dans la police, mais il n'y aura plus le trafic de stupéfiants. Nous sommes d'accord? D'accord. Oui, on est d'accord. Demain, tu le vois avec l'héroïne. C'est clair. Donc, vous pouvez retourner à votre place. Affaire suivante. Monsieur Morgan, je crois qu'il y a Carter qui va arriver. Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur Jury, bonjour. Attends, je réfléchis. J'envoie ici pour mon client, monsieur Norris, qui a été arrêté hier en possession d'armes et de tentatives de meurtre, ainsi que d'équipement illégal, ainsi que dans son audition garde à vue qui est marquée dans son dossier. La précision n'était pas très claire. Interpellé sur après avoir été sauvé après une fusillade, ses droits ont été cités et il a payé l'amende de 900 000.
Ouais, moyen. C'est pas ça, hier. Je m'en souviens même de lui. Pouvez-vous vous présenter là-bas? Bonjour. Est-ce que... Parlez plus fort, s'il vous plaît, monsieur, pour que la salle... Ouais. Oh, un sourd? Un muet? Ouais, il parle pas assez fort. C'est toujours pas bon. Ouais, on entend rien. Oui, voilà. Oui, excusez-moi, mon avocat... On t'entendait plus à la BA. C'était pas tentative de meurtre, c'est... Je l'entendais plus à la prison aussi. D'accord. Ouais. Donc, reconnaissez-vous de ces faits? Je reconnais toutes les infractions. Ah bah voilà. Qu'est-ce qui nous emmerde, là? Vous comprenez bien que votre... Arrête de clasher tout le monde. Non, moi j'aime bien clasher tout le monde. Était un port d'armes prohibées. Détention de... J'aime bien, moi, clasher tout le monde, Adrien, c'est mon métier. C'est casser le vent, faire chier les gens, ça me purifie, c'est important. Ouais, D'accord, ok. Donc, Salut mon petit cri, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Tu peux aussi nous retrouver sur Discord et sur YouTube pour revoir ce live et mes conneries toute la journée si t'en as envie. Allez, bienvenue à toi, merci à toi. Bisous. Sachant que sur la première faction, je n'ai pas mes droits, mon pote. Quoi? Quoi? Si, hein? Un problème? Non, aucun problème. Ah, d'accord. Je comprends. T'es en train de parler à mes potes? What the fuck? Votre deuxième infraction. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Cité de meurtre. Voilà. Il y a un petit peu plus compliqué. Vous dérange? Non. Non, pas du tout. Bon, bah alors. Bah alors, ferme ta gueule. Que je laisse tomber les tout premiers, mais le premier. C'est pour rigoler, les gars. Je rassure. Je sais pas. T'es au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui. Ouais, bah il a quand même tué des gens. Lire que aucunement on m'a vu. On répond comment? Eh bah tu réponds dans le chat en fait, Nico. J'étais parmi un groupe et voilà. Moi je. Il n'y a pas eu. Je n'ai tué personne. Nico. Ça. Je n'ai tué personne. Comment? Pardon? Silence s'il vous plaît. Reçu. Je m'en fous, moi je t'ai coupé les bras. Chut. C'est pas possible. Je te coupe les bras. Excusez-moi, mais j'étais dans une mauvaise période. Ma femme m'avait quitté. J'avais la pension alimentaire des gamins. Mais gros, c'est tellement vrai le bordel. J'avais plus d'argent. Et bon, j'ai des petits jeunes en bas de la cité qui m'ont proposé de venir et puis de faire l'argent facile. Et puis bon, c'est mal passé. D'accord. Voici son histoire. Donc, je vous regarde, il va se plaindre parce qu'un policier lui a craché dessus. Regarde. Comme il vous l'a dit, il a pas tiré, il a pas été pris en flagrant délit. En quoi il avait tiré sur un agent, je suppose, dépositeur de l'autorité. Il a pas connu les faits au tout début. Donc, bah si. J'aimerais qu'on le prenne en compte et que sa peine soit. Pas, se reconnaît et qu'il les conteste après. En fonction de ça. Bon ben voilà. Donc je demande à tout le monde de sortir de la salle. Là, c'est déjà. C'est déjà passé. Avoir l'avis de mes collègues. Donc je vous laisse sortir en attendant. Bon, pas tout ça parce que on prend un café les gars. Vous prenez toute la place. On peut se clapper. T'es en train de dire que je suis gros ou quoi? Ah, on peut consommer LSD après 4 mois, c'est bon, c'est passé. Ah là. On va te rouler, gros pédale. Mettez-moi pas de donner une piécette. Ah là 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 là. On va te rouler un gros d'air, sa mère. C'est qui? Ah là 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 là. Ah là là là. Rigole, chante, tu seras heureux. De toute façon, tu rentres plus. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Non, c'est bon. Bon, c'est ça. On m'a parlé? Ouais, le monsieur là-bas, il t'a parlé là. Ouais, qui ça? Bah, ton collègue de la DC. Là. Ah ouais? Ouais. C'est celui que t'as braqué? Ah, celui-là que j'ai braqué, ah oui. Ah oui, je te braque tous les jours. Comment allez-vous? Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Vous êtes quoi, avocat, c'est ça? Ouais, je suis avocat.
Excusez-moi, je suis malade. J'ai une gastro. J'ai une gastro. Oh putain, non mais. Non, 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 c'est pas moi. La personne qui m'a fait réciter le code pénal ainsi qui m'a fait faire des pompes. Je me rappelle pas. La première fois, ça va. Ah bon? Nico, on approche. Oh non, non, ça m'étonne, c'est pas mon genre. Bien sûr. Non, c'est pas mon genre. Non, vous faites rire, monsieur, c'est pas Dédé qui vous a fait ça. Hein. C'est pas possible. Moi, je le connais très bien, Dédé. C'est quelqu'un de respectable, et de honnête et de très gentil. N'est-ce pas, Ryan? Oui, bah oui, évidemment. Bah oui, bien sûr. Ouais. Excusez-moi, mais il faut que j'aille boire un coup parce que j'ai soif. Il n'y a pas une boisson là? C'est pas que j'ai plus envie de vous parler, mais c'est comme si c'était pas. Ah, une Red Bull, je bois pas ça. Que de la vodka. Hop là! Il n'y a pas un truc à eau là? De l'alcool en service? De l'alcool en service? J'ai jamais dit que je prenais de l'alcool en service. Il a dit qu'il prenait un coca, il a dit, j'avais compris. Hein. J'ai dit, il faut que j'aille boire un coup d'eau. Ah, j'ai cru un une vodka. Non, j'ai dit qu'il fallait que j'aille boire un coup d'eau à la pompe à eau. Et la Red Bull que avec de la vodka en soirée. Ah. Oh, à ne pas faire ça, ne fais pas un petit. Tanguy Marion. Pas moi. Transmettez. J'ai mal aux yeux avec vos lasers. Interpellation de Tanguy Marion. Reçu, bon, on va le trouver, on va le chercher. T'es ultra connu, Cordia. Il est où là? Vous l'interpellez pour trafic de stupéfiants. Ah, trafic, c'est pour moi. C'est pas pour moi. Trafic de stupéfiants. Tu t'es fait bien payer ou pas? Ah, mais ça fait pas de trafic. Attends, on donne merci. Ça. C'est moi le gros, c'est moi le trafiquant. Ici, si, c'est le grossiste, c'est moi. T'as entendu Tanguy s'est fait arrêter? Ah, ouais, oui, Tanguy. Je sais pas où il est, Tanguy, moi. C'est au casino, je crois que j'ai entendu. Je connais pas un Tanguy, moi. Il y a pas ça chez nous. Je connais pas. C'est rigolo, ça. C'est Il est en train de chercher la plaquette, il sait pas que c'est moi qui l'ai. Mais il est où ce gros sac? C'est pas que tu te l'as foutu dans le cul. Quête. Mec dans la sac, c'est qui? Ah, Claude. Claude. Travaille pas aujourd'hui, hein? Vous êtes qui, monsieur? T'as pas un contrat à dépanner, hein? Allô? Hein? Tiens. Allô? Allô? Eh, vas-y, passe-moi un contrat ou j'arrête le placo là pour en faire un. Je te paye le placo là, si je veux me faire un toncard avec le placo, mon frère. Ah, vous êtes escroc vous dans la vie, non? C'est ça? Bah ouais. Ah, vous participez à toutes les loteries, vous gagnez à la dernière minute. Escroc! Riette, tu fais quoi là encore? Hein? Riette, c'est... Il travaille pour toi, Riette? Il travaille pour toi, Riette? Oh putain! Mais ce mec, c'est un escroc en fait. Tu sais que quand il est passé derrière, il est quitté, après il va faire ça avec sa femme. Il ramène des têtes ici, mon frère. Enfin, sa femme, ce schmeuf. Ça vaut votre respect, hein. Ouais, hein, pff. Et j'aurais une question. Attention, propos interdits au moins de 18 ans. Quand tu la prends par derrière, est-ce que tu la masturbes? Ah, il a pas compris. Ah oui. Alors nous on parlait de pétard et ça parle de masturbation. C'est confidentiel, c'est ça, c'est privé. Ah bon, bah elle me dit, elle me l'a raconté, non? Il est pas vos lasers pour rien, les gars. Ouais. Il m'en a raconté. Ah, c'est elle. Non, j'ai dit elle, hein. J'ai pas dit il. C'est toi qui a dit il. Moi, j'ai dit elle. Justement, il est un bazar. Ouais. Bah, vous êtes invité, hein, dans tous les cas. Attends. Merci, ça me fait pas. Bah, ça tombe bien, je suis un officier d'état civil. Eh, attends. Nickel, j'ai pris. J'ai arraché un bout de placo derrière, on se crête. Vous avez pas un bon. Qu'est-ce qu'ils font, eux, là? Eh non mais t'as cru que t'étais dans ta chambre? Eh oh 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 oh. T'as cru que t'étais dans ta chambre? T'as les foutre le bordel ou quoi là? Ah bah non, mais c'est qu'il me faut un toncard, mon frère. Je fais comment, moi? Ah bah tu sors dehors, tu regardes dans les poubelles là, qui est ta place habituelle, et tu vas chercher ton toncard là-bas. Y'a pas des toncards dans votre Strider là? Qu'est-ce que je fais? J'interpelle tout de suite ou j'attends? Bon les gars, c'était un très bon tribunal, moi je vais y aller. Allez, salut Mouloud, à bientôt. Non, je vais rester parce que je vous aime bien. Bon, excusez-moi, mais... Si vous voulez, on peut aller au PMU après. Oh bah si tu veux, tu payes ou quoi?
Mais non, mais viens, bah ouais, je paye le PMU, t'es ouf, vas-y. Ah bah allez, hop, gaz, on y va, j'ai ma bagnole en plus. Allez hop, ah, vas-y, on y va, vas-y, on y va. Vas-y, après, vas-y, non mais jure, vas-y, après, on va au PMU, frère. Mais viens, on y va maintenant, on y va maintenant. Allez, ah, plus toi. PMU, okay, au PMU à la police. Vas-y, allez, tout le monde au PMU. Allez, tout le monde au PMU. Je le prends plus en client. Je le prends plus. Vous les laissez plus rentrer, les gars. Je te veux plus, je te veux. L'agent, il est bloqué dans le coin. C'est... Il faut couper les jambes, viens couper les jambes à tout le monde là, hein, parce que c'est vraiment le bordel là. Ah, apparemment oui, ça joue là, couper les jambes. C'est quoi ce bordel là? Peut-être que j'arrive dans 10 secondes. Mais c'est quoi ça? Tu l'as payé en plus? Ça allait de bien vous amuser ça. Fais plus une fouille anale. Ah, je cherchais Magistra à la porte, mais j'essaie de l'ouvrir, je le trouve pas. Pas aller au PMU? Bah non, quand même. C'était le PMU avec Darachet. C'était le PMU à la BA dans la, dans la joule. Ouais, ouais. Oh, là, on a créé des liens. Je vous le dis. Hein. Sacré mouloud. Ça m'a l'air d'être un sacré voyou, ça. Bah, c'est Abad. Tu connais pas Abad? Oh non, je sais pas. Ouais, travailler à la DC, je crois. Ah, mais il parle de trucs pas très légal, à mon avis, lui. Ils seront. Ah! C'est Jean-Luc. Jean-Luc Mercier. Ça va, Jean-Luc? Ouais, ouais. Ah, oh, et toi, t'as toujours bien ou fort? Ouais, il est issu des cailloux. Bah, ils sont tellement à la prison qu'ils sont des cailloux. On peut les faire rentrer, confirmer? Yes, ok, messieurs, dames, enfin surtout mesdames, vous pouvez rentrer dans le tribunal. Toute personne ayant eu des problèmes à l'extérieur de la salle sont conviées à se présenter devant un policier. Tu viens. Tiens, j'arrive, Ah, c'est les fenêtres. Allez, rentre, Mouloud. Attends. Allez, mais comment je suis arrivé ici, moi? Ouais, je me colle ici. Allô? Allô? Déjà le calif. Bah, problème de cerveau, je suis ici. Problème de cerveau, c'est quoi ça? Vous avez mal à la tête vu que j'ai pas la médecin? Oui. D'accord. Tu veux du shit? Bon, il repeut là. Tu viens là et tu fais ça? Viens là, allez, viens. Je peux pas. On peut sauver. Bah, franchement, dans les. C'est bah, ça pas. Pas, et... hop là mais... Hop là pas. Oh là là. C'est quoi ton nom, toi? Oh putain, oui. Messieurs... Bon, par contre, messieurs, dépêchez-vous là. C'est qu'ils auront fait. Attends, attends, il a un problème. Je fais mal. On peut laisser la porte ouverte. Au pire, mettez les mains sur la tête. Ouais, vas-y. Est-ce que tout le monde est présent? Hop. Ah bon, bon toi. Voilà. Merci. Donc, voilà. Oh, bon, attends, toi, John. Ouais. Donc, je demande au comité okay. De me rejoindre sur ici, à côté de moi. Monsieur Sherman, monsieur Kissman. Je me colle un peu à toi, mais c'est pas parce que je t'aime bien. Pour la première fois, monsieur. Oh, t'es trop beau pour être vrai. Après, entendu les avis. Tu sais faire le cri de Tarzan, hein? Non, pas du tout. Vas-y, fais-le. Vous aurez des travaux généraux. Allez, vas-y, fais-le. Ouais, c'est parti. Ma voix, elle m'a pas tenu. Allez, vas-y, fais-le. Directeur de la rue. Ah ouais, mais j'ai fermé la voie, vous voyez. Allez, allez. Vas-y, vas-y, je suis sûr qu'il va venir. Ouais, d'accord. Ah putain, c'est comme ça que tu l'as pêché ou quoi? J'ai gagné le voice. Putain, oh putain, c'est Tarzan qui a la grippe, con. Vas-y, Adam, vas-y, le russe. Si vous savez, je suis passé aux auditions, ils m'ont refusé parce que j'étais trop bon, vous voyez. Ouais, trop bon, trop con. Hein. Vladimir, à toi. Vas-y, fais Tarzan. Ça va être encore pire. Hein. On s'en fout, allez. Par contre, j'espère que... Ok, tu viens de prendre ton pied, là. T'as pris un orgasme, là. Bon, Vlad, t'es viré, là. Vas-y, c'est pas compliqué. Mais tu dois en forêt pour faire un cri aussi. Ryan, si tu veux sortir, faut faire Tarzan. Fais Tarzan. Fais Tarzan. Fais Tarzan.
Pardon, bah dis-moi. Vas-y, vas-y, on recommence. Vas-y, recommence, recommence. Je sais pas. Hein ah, bah allez. Merci, Dédé. De rien. Bonjour, Adouane. Ouais. Ah, bonjour, Adouane. Ouais, bah oui. T'inquiète, je t'inviterai, Dédé, t'es plus beau. Ouais, je sais. Donc, je vais vous expliquer. Après les avis de notre collègue là, il y aura un non-lieu pour cette infraction. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle est déjà une date très proche. Oh merde, je fais mal. En même temps, je suis dans la police, puis j'ai trop le temps de rester sur les lives. Ah, l'autre, il saute des excuses. Ça y est. Comment je pourrais dire, monsieur Charles ? Pas assez de preuves. On n'a pas assez de détails sur, la, sur l'infraction. C'est pour ça qu'on met un non-lieu. Est-ce que vous comprenez, monsieur Norris ? Très bien, monsieur le ministre. Donc, vas-y, très bien, frère. Qu'est-ce qu'il y a ? À la prochaine séance du tribunal, vous avez le droit. Est-ce que vous comprenez ? Ah mais l'avocat non plus a pas compris. Je pense que l'avocat non plus a pas compris. Voilà. Est-ce que vous comprenez, monsieur Doc ? Non, oui. Dire que je repasse dans deux semaines, c'est ça ? Oui, à la prochaine séance du tribunal. Non, non, j'ai compris, c'est juste parler en faible, en fait. Voilà. Je vais être rejugé encore ? Oui, pour ce dossier, pour cette infraction. Donc ici, on peut être rejugé plusieurs fois pour une même infraction. Oui. Attendez, j'ai un avocat qui est d'autre. Est-ce qu'il peut intervenir pour m'aider, s'il vous plaît ? Moi ? Ça va finir. Monsieur Norris, mais... Non, je peux pas intervenir dans cette affaire, monsieur Norris. D'accord, ok. Désolé. Oh, bah, je dis plus rien. Merci. Ok. Donc voilà. C'est con, hein. Si vous avez un problème avec le jugement qui vient d'être jugé là, veuillez exprimer votre fait. Aucun. À juger. Donc, monsieur, venez vous rapprocher de moi. Je vais vous mettre les frais de dossier, s'il vous plaît. Ouais, reculez un peu. Parfait. J'ai pas. Donc voilà. Merci. Donc le classé, monsieur Greg Norris, c'est clos. À juger. Bon, oui. Voilà. Donc monsieur Norris, vous serez recommandé pour cette. Et tu sais ce qu'on fait, Jane? Quand il vient pour sortir, tu me tatanes et on fait croire que c'est lui qui m'a frappé. Ok. Johnny, après que je le vois en privé. T'es sûr ? Maintenant. Ouais. Donc la séance est levée pour le tribunal. Monsieur Norris, vous y attendez en dehors de la salle. Carter, tu m'entends ? C'est lequel ? Combien de. Le micro bleu ? Votre père général. Avec le pantalon bleu. Je fais quoi là ? Je sors moi ? Oui, je sortais en dehors de la salle, je dois voir monsieur Johnny. Ouais, je vois son nom. Quand c'est fini là ? Oui. Ah bah c'était vraiment de la merde. Ah mais il y aura des balances hein. Quoi ? C'est pas possible. Arrêtez-le. Tu peux pas dire ça. Prenez-moi monsieur au chapeau. Mal avec la porte. Une fois qu'il sort. Allez, fais Tarzan et tu peux en sortir. Excusez-moi, oui, pardon, monsieur ouais, masqué okay, là, bah, s'il vous plaît. Laissez passer le personnage nager là. Hop. Okay, t'as un problème avec mes muscles ? Monsieur Johnny, vous vous approchez. Oui, d'accord, ouais. La maison Poti vous sera redevable. C'est pas fini en fait. Hein. Ah, c'est pas fini. Non, c'est juste là, elle est levée pour un instant. Ah, très bien, elle est cherchée dans vos rivières. Ah, d'accord. Carter, je vais en mettre au droit chemin. C'est qui ? C'est qui ? Ah ! Pas dit qu'il fallait. Oh, monsieur ! Ah ! Monsieur le ministre ! Oh, on m'a frappé. Arrêtez cet homme avec le pantalon beige. Si je laisse partir les gens. C'est le dossier là pour monsieur Gelloc. Non, tout le monde s'en fout. Ouais, c'est génial. Non, la police va mal, les gars. Oui, mais je te passe ça. Vu que tu suis comme à l'entreprise,
Ouais, tes collègues s'en foutent. Mais prends un jour, c'est fini là. Non, mais je me suis fait tarpin. Putain. Je sais pas moi. Déjà, qu'est-ce que tu fais avec un bon annonce sur le visage toi? Ouais, ouais, bah. J'ai des... Putain, c'est pas toi qui m'as déjà posé la question tout à l'heure. J'ai une ordonnance. Bah, si. Bah vas-y, montre-la. J'ai déjà montré à monsieur Sherman. Bah, tu me la remontres. Oh, bordel. Tu peux me passer tes papiers s'il te plaît, comme ça. J'ai pas de papier. Bon bah tu l'auras pas alors, parce que si il faut que j'aie un nom, ouais, qu'il a passé par mail. Ah bah, bah oui. Tu me le donnes à ma propre. Bah oui, voilà, bah ma propre, bah faut que je trouve un déjà. Bah voilà, tiens, elle est là, maman. Ça, hop. Tu dois pas le sonner, mes papiers, voilà, regarde, moi je les ai les papiers, pourtant je suis arabe. Je suis colombien en même temps, pour te dire, je les ai les papiers. Ah merde. Ah bah oui. Hein. Merci. Non mais là, il y a trop de boulot, là, je suis tranquille. Ah, la police est toujours aussi efficace, hein, monsieur. Ouais. Voilà, monsieur. Monsieur Gérard, je vous remercie. T'as vu Claude? Moi, j'ai. Bah, on dit pétrole gratuit. Et j'avoue. Quoi? Non, ça me comble à l'oreille les trous, lol. T'as piqué une montre ou quoi encore? Ouais, c'est les montres bling bling des directeurs généraux, ça. Oh la vache, ouais, je vais être blanchi. C'est toi qui veux. Il a juste oublié de les repasser, mais c'est tout, hein. C'est toi qui voulais être blanchi, c'est ça? Oui, pourquoi? Oh, comment ça rigole? Comment... Messieurs, on peut commencer le dispositif. Elle est partie. On va direction BA en moyenne unité pour escorter. Tu sais que je suis tout contrôle. Et tu veux m'arrêter pourquoi? C'est Viper Lead, c'est bien pris. Voilà. J'ouvre ton sac. Je te glisse un petit arme dedans, hop, et voilà. Interpelle-le, il a une arme. T'as mes papiers, je te laisse. Oui, oui, tout ça. Oui. Je vais rentrer, du coup, ils vont rentrer le même K10, je vais rentrer avec eux. Allez, bisous. Allez. Du coup, retour bon, BA pour tous pour repasser en tenue. Bon, de patrouille. C'est au sud de Cobralier, on commence à bouger. Bien au sud. C'est fini là? Ah non. Bon, c'est bon. C'est. Bonne journée, monsieur. Non, t'es pas coupable, c'est bon. Attendez, il démarre pas. Ouais, je t'entends. T'es où? Je vous laisse quitter le tribunal, messieurs. C'est ça le tribunal en fait? Il y avait pas McKenzie et tout ça là? La sortie principale. Ah, ça, ça veut dire que je conduis. Sherman pour Dragon 2, je... Allez, écoute. Information du coup sur la banque, vous avez vu quelque chose ou c'était clean? Non, négatif, rien à signaler. Super. Il y avait juste un MK10 à la cultivation d'un. C'est à Canal 6. Si le Dragon 2 se pose, pour les tuiles. Au pire, ça peut tenir BA donc. Ouais, faut le rien là-bas. On escorte des marchands jusqu'à ABA et puis après, on va sortir de patrouille et je vous laisse à la disposition de votre Lido. De sécurité, gars. Tu nous dis la cadence, y aller. On vous suit. On vous suit, d'accord? On vous suit, allez-y.
Cobra Lead, deux unités Cobra sur le tribunal, vous bougez ou je vous aide? Du coup, de Cobra Force, j'ai perdu toute taille, il y a des problèmes de cerveau. Ah! Espèce de saucisseur. Quoi, je suis là, toi? Je suis un arabe en plus, c'est colombien. Moi, c'est pas du tout. Putain, un arabe colombien. Bon, j'ai un problème, ministre, avec l'arabe colombien là. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Bah voilà, et bah voilà. Bah ouais, t'as encore, fait, t'as encore fait une connerie, toi. J'ai rien fait! J'ai rien fait! Là, ah bah ça tombe bien que tu sois là. Si, 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 c'est quoi? Bon, je reviens à ton Syrah, jeudi. Oh putain, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Yahoo! Donc, on va reprendre du service. Quoi. Ah, mais les temps. Hein. Notre backeux, pas mal. Ouais, nouveau. Là, tu t'es rouillé un peu. Ouais, je me suis un peu enrouillé la voix. Je me suis perdu ouais, un peu. Quoi, le tribunal, là, les mecs, ils viennent. Ouais, j'étais gentil, peu d'enquête, moi. Bah, c'est bon, vous avez rien. Vous êtes sous ma gueule ou quoi? En tôle, putain! Putain, en tôle, merde! Putain! J'aurais dit, moi, je l'ai dit, hein. Si, je vais leur couper la jambe. Là. Ah, la Syrah, toujours aussi sympathique. Hein. Bah c'était oui, hein. Une cour populaire. Donc, J'ai fait. Bah, oui, aidez-moi, faire un concert, ça sera populaire aussi. Hein. Moi, je veux une explication pourquoi il y avait un de mes employés à la barre, surtout. Hein? Parce qu'il a été choisi. Ouais, il a été choisi au pif ou c'est demandé? Au pif. Parce que j'ai cru. Moi, au début, je l'ai vu à côté de. Je crois que c'est Monsieur Charman, je crois que je l'ai vu à côté. Je lui ai dit, t'es de place, frère, tu fais quoi? Hein? Eh non, il a été choisi au pif. Il a été tiré au sort. Je prends Bah, heureusement que c'était pas moi. Hein. C'est pas des lois arabes, c'est pas des lois colombiennes, c'est des lois alticiennes. Faut t'apprendre à les apprendre, Moulou. Non, non, non. C'est pas du raciste, comme dit là. Ah, pas du tout, pas du tout. C'est pas raciste. Ah, pas c'est tout, juste, intègre-toi. Ah, ouais, bah oui. Ah, t'es gentil, oh, t'es pas raciste. Moi, raciste, jamais. Oh la vache, c'est quoi toutes ces bagnoles là? REE préféré. Préféré. Mon commandant préféré. Allez, vas-y, répète. Le plus beau, le seul et l'unique.
Le plus beau et l'unique. Le plus beau, le plus seul, le plus beau, le plus fort, le seul et l'unique. Allez, vas-y. Le plus beau, le plus fort, le plus vite. Le plus beau, le plus fort et le plus seul. Vous avez très bien mon commandant préféré. Le plus beau, le plus fort, l'unique. Ça va et toi, Hugo? Ça va? Très très bien. Cédric, Cédric Fellow. Exactement, c'est ça. Toi aussi, Santiago? Vas-y. En cru, c'est un métier d'être un susboule. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Lui, il m'a appelé mon général, ça passe. Yuga. Et personne n'a tatane, il est tombé. Bon, vous montez dans les véhicules qu'on porte un peu ou... Merci, mais on attend Combra Force. Combra Force. Vous êtes pris pour des guerriers, vous êtes les premiers à tomber. Hein. Oh, non, c'est... Ça. Oh. Oh, Combra Force, vous êtes les premiers à tomber. Ouais, on se casse. Allez, à la fourrière. Hop. Oh, t'as peur. Ouais. C'est ça. Allez, range ta bagnole. Oh putain, y'a pas de frein à main là, putain, c'est vrai. J'ai pas de frein à main, je comprends pas. Viper de DD. Vous êtes où actuellement? On est devant le BA, en colonne de véhicule, on vous attend. Ah bah ça y est, c'est parti, je vous suis. Ok, donc pour tous les Vipers, direction Attira. Bien pris de Doc. Alpha, on est parti. Bravo. Naturellement, tout l'humour que je balance, mais je reste de l'humour. Écho de Charlie. Excusez Billy qui sait pas faire des communications radio. Bon, ici on est. Bon, je suis de retour. En écho de Charlie. Il y a personne qui vous a tenu au courant de ce qui s'est passé hier soir? C'est-à-dire? On a 8 policiers qui ont été pris en otage et il y en a qui ont été abattus et des autres, bon, on sait pas ce qui s'est passé. Qui? Par la Rampage. Et... Ah. Y'a que Moïse Nidou, on est resté en vie, on a essayé de négocier pour les récupérer, ils ont pas voulu. C'est ouais. Ça qui s'est passé, je m'en souviens plus. Et ils ont revendiqué quoi? Ah, rien du tout. Enfin, je crois qu'ils voulaient juste. Ah, d'accord. Qu'on se rende. Du coup, je suis allé me rendre et. Le problème c'est qu'ils m'ont dit que tous ceux qui étaient dans le fort devaient se rendre aussi et je lui ai dit j'étais tout seul et ils ont vu Bellic, on était que deux et du coup ils m'ont dit repart et à la fin j'ai fait une ferme fumée. Mais t'auras jamais dit 32 balles. D'accord. Non mais c'est ça. Si c'est pas revendiqué c'est sympa. Du coup on est tous morts. Ah non je suis con, je suis pas mort du coup je suis là. Du coup quand on dort on va finir déjà la merde, on ira à Perdos. Ça a reçu. Je vous attends du coup sortie à Tira, direction route principale. C'est bon, encore ces conneries. Hein. Je vais faire ce qu'il faut, ça commence à me saouler. Je viens d'écraser un lapin. Qui s'en fout? Qui s'en fout tout de suite, non mais. C'est grave quand même. Non mais c'est... Je sais pas ce qui se passe. C'est là pendant qu'on fait le tribunal. Oui. T'as les... la secte et les... On a déjà une équipe qui se dirige vers Frigo, est-ce qu'on ira pas plutôt au nord du coup, nord-est? J'ai pas entendu. Non, Sophia, c'est bon, on y va.
Ah ouais. Ah ouais, je suis. Là, ça va, t'es gagné. Gagné. Vous avez un véhicule qui a cassé. Ouais, c'est le fils Amélie qui conduit, c'est normal. Non. Non, Nex, j'ai des problèmes, ça. Des roulettes de 5, c'est un peu de la triche. Pourquoi des roulettes de 5? Je fais que perdre. Et je vous ai rajouté 10 000 points, les gars. Vous pouvez y aller. Bon. 000 points, Omega, non. Ah si, j'ai rajouté des points. Hein. Putain, 82 000 points. Hein. Et je vais les enlever les points par contre. Oh, mais le gars il est refait là. Bah oui, il est refait là. Bon, au niveau du jeu concours, on en est où, modératrice? Attention, accident sur le côté de la route là. On est... Ok, d'accord, excuse-moi. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personnes. Connu, rouge, hein. Je crois qu'il y avait 11 personnes qui ont trouvé la réponse. Salut, je vois qu'il y a des fans de Dragon Ball Z. Pourquoi j'ai choisi cette question? Quand j'étais jeune, j'ai regardé des mangas. Et j'ai regardé surtout Dragon Ball Z. Tu finiras ta vie seule, t'es moche. Qui est mon manga préféré. Quand ils sauront te servir ce qu'ils ont des gens. Mais non, je vais essayer de sortir avec Affinity Gems, t'as vu son bif? Ah, mais je t'honneur. 1 500 000 000 qui dit non. Peut-être. On a été con quand même de lui acheter beaucoup de voitures. Golden Boy. Après, elle a un sacré fessier aussi. Elle a un sacré con. Fessier. Attends, clean, 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 on a plein de véhicules devant nous là. Ouais, il y a plein de valises surtout. Ah, on dirait un cimetière. Vérifiez les voitures. Mais c'est vraiment un cimetière hein, par contre. Hein. Appelez un plafourrier aussi au passage, ça évitera qu'il y ait des problèmes. Négatif. La tête ou les noms là. Oh. Enzo, la tête ou les noms. Je veux les noms des véhicules, le modèle du véhicule, ce qu'il y avait dedans. Faut qu'on peut-être jamais se faire. Alors, munitions M320, bravo. Killian Jones. Donc un véhicule au nom de Ali Youp. Il est verrouillé, faut que je le pète. T'as d'autres véhicules un peu plus loin. Véhicule de Miro Fisher. Envoyez des messages téléphoniques les gars aux polices et vous mettez ce qu'il y a dedans. Nom, prénom et contenu du véhicule. Si c'est verrouillé, on le crochet. Tout à l'heure en fait. Ah, mais ils ont pas compris en fait. Ah, ce que tu as dit. J'ai un véhicule au nom de Han Azel. Non, je te parle de. Al Yokov est connu pour être un membre de la secte. D'accord. T'as entendu ce que je viens de dire? T'as entendu ce que je t'ai dit tout à l'heure? Ouais. Oui, oui, bien sûr. Bah, de Bellic, c'est ma position en plein de véhicule aussi. Fusillade. Analysez les valises. Ah, il y a un pack sur moi là, il est couché. Mon commandant les envoie à la fourrière après. Il est encore arrivé ou pas? Sérieux? Il est jusqu'au mât ou? Non, c'est bon, il vient de mourir. Non. Ton odeur l'a fait décéder. Mon swag, monsieur. Pas certain. Théo Oshora. Bah alors mettez en fourrière. Essayez de retirer les valises du milieu de la route là. Le but c'était que la sécu les mette en fourrière en fait. Ouais la sécu.
Pas parce que c'est leur boulot. Vous appelez la sécurité civile là qui vient de mettre les véhicules en fourrière? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Ouais, bien sûr. C'est où, Mike? Avec le doc. Et la voiture? Avec. C'est quoi la réponse? C'est hey! Ah ah! C'est quoi la réponse, Omega? Quand j'ai deux noms qui sortent de ce véhicule, je prends les deux ou un seul? Non, c'est le premier. Oui, mais ça, c'est qui vient de récupérer le véhicule? Vous les mettre à la foyer? Sachant qu'on peut le faire. Comme vous voulez. Moi je leur offre du travail là, et vous, vous êtes là, ouais, ouais. Faites leur travail, ça m'est là. Ferme-la. Mais non, je pense qu'ils ont suffisamment de travail là, à mon avis. Ah, c'est possible. Oh, il est où l'autocar? Tu parles de moi là? Dis mon autocar, je te dépose. Jamais mon commandant, plus beau. Ouais, ouais, d'accord. Doc, devant vous, il y a un véhicule là, tout devant vous, ML. Attention. Non, reste là, Tesla, reste là, bouge pas. Il est mort? Chabatif, il est mort. Merde. Oh, cool. Non, il est pas mort. Non, il est pas mort. Si, il est mort parce qu'on veut plus interagir avec lui, donc si. Comment ça, t'es interagi avec eux, toi? Ouais, ouais, je le vois mort aussi. Si on a des munitions d'M300. Mr. Pigs. Appartient à John Garrett, il n'est pas assuré, Kevin. Ouais. Quel massacre encore? L'Est n'est pas trop sécurisé, mais là. Oh, y'a pas plein de véhicules là-bas. Oh vache. Putain, mais c'est quoi ce délire là? Spro. Icon. Tu crois quoi? Ah, tu crois c'est nous là. Quoi? Bah y'a de quoi faire ici. Ouais. C'est sûr de la Audi A4 là? Y'en a qui a des outils de crochetage encore ou pas là? Affirmatif. On va venir sur la position DD, j'ai deux véhicules à crocheter. Un véhicule à crocheter. Cobra Force pour Cobra Lead. Bélic, fais le message pour Ricano là. Tu m'en Ricano. Info sur votre position? Un spécial en retour. On revient bien. On chez tous en famille. Ouais, vous me laissez mon arme. Mon arme. Ouais, c'est pour ça que je touche pas. On peut mettre tu en fourrière. Tu protèges quand même. Ouais. T'as rappelé le nom, t'as envoyé un message? Collègue urgent? C'est quoi ça? Où ça? C'est un SD, c'est de l'autre côté. Allez, gaz. Allez, c'est parti.
Affirmatif pour tous les Vipers, on se dirige vers l'appel au secours. Information de Superlift sur LFT. Et je vous rappelle, on casse pas. Comment aller d'informations sur zone Ouais, là ça pue. Cobra lead. Cobra force pour Cobra lead. On était arrivé jusqu'à Pyrgos hélicoptère, du coup on le range en Pravel ou. Ouais. Non, non, c'est en Nico là, tu vas sur la zone. Suez, code noir, ok. Donne une batteuse ou quoi, autant mettre sur tu poses BR, pour toi BR avec toi. Donc de Cobra Force pour Cobra Hit, je réitère, j'étais arrivé jusqu'à Pyrgos en hélicoptère pour aller plus vite. Est-ce que je range pour un véhicule ou vu que je suis au garage, je vais ranger avec elle, on y va en hélicoptère pour aller plus vite. Tu prends un véhicule, t'as pas raison. Ils sont où exactement, les GADES même ou sur le champ carrément. On va prendre la colline un peu plus haut. Hein. On va arriver comme des sauvageons. Hein. On va laisser les autres arriver et nous on va prendre pas derrière. Foncez les gars. Faites un changement radio. Vous m'en sauvez là sur le canal 1 ? Affirmatif. Allez foncez, me suivez. En... Oh, fille. Oh, mais ça... Vous me suivez pas, vous allez droit sur les gars là.
Allez, go. Nombre de packs restant sur votre position. Un tonneau et atterrir pile sur les roues à l'instant. Hein. On a pas fait de tonneau là. Ouais, c'était ce que j'ai vu, si. Ah bon, moi j'ai pas vu de tonneau. Non, c'est un peu de tonneau là. Ah d'accord. Ah j'ai pas vu. Moi j'étais tout droit. Hein. Noir, mais sur... Pax noir. Pax. C'est quoi ce télico là? Panne. Et la dispo, on en a perdu deux là déjà. Deux mecs déjà? On a perdu deux si on... bien là, non? Alors, combien là? Je vais mettre 6, il y a peut-être pas. 1, 3, moi j'ai. 10 d'élection, on a le droit de surflex quelqu'un sans qu'il gagne une somme au temps. Mais c'est une somme. Merde. C'est une somme, Omega. Le fait de menotter quelqu'un est une somme déjà. Qu'est-ce qu'on de Sierra, le point de pack, c'est d'actualité? Le point pack c'est jamais affirmatif, il est d'actualité. Bon, je de Odor, est-ce que la zone bleue en direction de la Jose de Constantinos c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a toujours un pack dedans? Tiens, normalement de là avec la M320, c'est bon. Les zones bleues négatives, c'est pas le pack. Reçu, c'est quoi? La M320 là? C'était une non-balise. Ok, reçu. C'est de l'autre côté de la colline par rapport à nous. Tu crois? Ouais. Dragon, attention sur votre droite au niveau du crew, vous avez un mec. Ah ouais, exact. Exact. Il faudrait plus se mettre sur la colline qui est là. Ouais, allez, gaz, c'est parti. Dans le creux des traces. Et il est coma, je crois, il est coma. C'est bien creux, on en a un autre que. Vous êtes imprudent la situation. Demander le support de d'un CPA ou de Cobra quoi. Enfin nous, mais... pas y aller ouais. Tout seul comme ça. Trop dangereux. 3-4. Dans la vue sur la colline, il y en a encore là où il y a le point Pax noir. On n'a pas d'info. Ouais, là c'est bon. Dragon 2 pour Dragon 1. Transmets. Est-ce que vous avez un île qu'on vu parce qu'on se rend des rafales depuis 20 minutes? Neg. PMA demandé sur Negades au niveau du garage. Hugo, tu viens sur moi, Sierra, en bas de vous, en face de moi, en face de Vigny. Je m'en. On est à distance là. 740 mètres. Je crois qu'ils sont enfin ils sont de l'autre côté, mais genre côté mer donc. Le sommet 740. Et en face, ils doivent être en face. Ouais, de l'autre côté. Il y a un point pack, c'est plus sonore qu'on devrait pouvoir voir, mais là il y a rien dans ces rochers là. Non.
coma. Si reste 2-3 dans les alotes. Vous confirmez, il y a encore des packs? Ah oui, il y a encore un pack minimum avec une Gatling. Cobra Force cassé. Aucune position. Il faut entrevoir Cobra Force. Il y a une Mercedes en 212. Hein. Ok, tirage dans le manuel. C'est peut-être le pack qu'ils ont chopé de l'autre côté qui est c'était pas rapide. Je réitère de Cobra Force, ça faut sur zone. Puis il m'a dit quoi. Code noir sur zone. Ouais mais je veux pas dire. Ils sont encore restants en vie. Aucune info. Collègue coma. Ah non ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon ça. Est-ce que t'es encore meloté là? De... T'es meloté de nulle part là? Ok pour tous, le personnel abatteuse aurait été abattu, il avait une guillie suite. C'est bien pris. J'ai mal au dos bordel. Est-ce qu'une PMA a été mise en place? Un fil, un garage naturel demandé, négatif. On peut descendre là-bas. Fais voir les médecins parce qu'on les rend pas bien. Ah la tempête d'avant, d'accord. Non il a pas le droit de te laisser attacher au milieu d'une part et de se barrer. C'est interdit. Non, on m'en occupe pas. Et il me faut la vie preuve vidéo. Position du Pax. Dans la voiture de Bravo. C'est moi. 300 mètres. Maison. C'est bien, vous voyez quelque chose au niveau du traitement là? Neg, pour moi, aucun visiteur. On va se mettre au-dessus du traitement. Ouais. On a une PMA ou pas? Affirmatif sur dégâts. Super. Ah bah nickel, top comme ça, tu me donnes ça et moi je m'en occupe. Ah c'est Omega qui joue. Ouais mec, c'est fait tata de menottes et le mec il l'a laissé menottes au milieu de nulle part. Yes, ouais. Bien joué du coup. Super sympa du coup. Oula. Hein? Oula. Là on a fait des tonneaux et on a cassé. Et t'es au-dessus, pile poil où je voulais te mettre. J'ai rec mais crash pendant rec. C'est pas grave. L'essentiel c'est que j'ai au moins le rec. Si t'as le rec et qu'il a crash au moment où il s'est fait abandonner, c'est cool. Ouais, ça c'est un peu con. Ouais. Enfin, tu m'envoies ça en lien sur TS et. Ou sur Discord quand tu veux. Du coup je réglerai ça de mon côté. Cobra Force, on répond au message. De doc pour unité Negades, est-ce que la PMA est installée? La fille elle est installée. Aucune info pour la PMA. De Dragon 2 pour une unité proche du traitement. Sur carte en dessous de Dragon 2, j'ai mis un petit point sur carte, il y a un VL abandonné, est-ce que vous pouvez le vérifier s'il vous plaît? C'est un VL qu'on a traité de Dragon 1. Cobra Force, on va vérifier le VL.
Cédric ? Ouais ? Lucia ? Viens voir. J'ai un doute sur un truc. Ah. Moto. Il faut commencer le rocher, ce qu'on va dire. Ok. Il faut que tu prennes ton télémètre. Ouais. En 247. Un buisson ouais. En haut là, tu vois. Ouais. Il y avait pas un truc bizarre dans ce buisson. En bas à gauche du buisson, il y a un truc qui brille, je crois. Non. De Viper, on a récupéré la Mitsubishi noire. Parce qu'il y a un truc plus haut du début. Ouais, ouais. Non, j'ai rien. Non, pas encore. Ah, si, y'a un truc qui brille, ouais. Au pied, ouais. Ah, au pied, ouais, c'est le plus truc. Bah, écoute. On tire dedans. On y va. Tire dedans ? Ah, oui. Si je tiens que c'est un mec qui meurt là. Bah tant pis. On vérifie un truc. Il y a un buisson qui brille. Ah, tu vois, il y avait personne. Est-ce que tu sais viser au moins? Ah bah essaye avec le M320, tu vois. Voilà. Donc on prend force, très intéressant de mettre les véhicules vides en fryer. Je crois que tu saignes. Je suis tombé. T'es à poil aussi maintenant. Ah bah lui aussi du coup. Ah bah lui aussi maintenant. Oh putain, il est mallette. Non, j'ai pas de sport. Ah yes. De Véco, on a battu un pack qui se cachait dans un buisson, c'était lui qui brillait. Bravo. Pas besoin de le chercher, il est mort. Reçu. Cobra Force pour Cobra Lead. De Charlie, j'ai. Ouais, je crois. Je comprends pourquoi ils l'ont pas vu à la thermique. On avait signalé à la. Enfin, à la LCO plutôt qu'on pourrait pas venir sur leur convoi. Est-ce qu'on leur dit qu'on vient ou ça se passe comme ça? On leur dit qu'on vient, on passe Canal 3 justement. Pour tous, il y a un VR sur le point que je vous ai mis. Je vais prendre ma petite batteuse, moi. J'ai perdu Canal 4. Snipers, c'est rigolo, mais. Ah, puis ça peut être. Moi, Non, il y avait personne, hein. C'est pas là, c'était là derrière, là. Rien. Du coup, j'ai trop peur des buissons, là. Vas-y. Ah, ils sont là, c'est valide. Donc, on l'a bien buté. Ouais. Ah. J'ai bien pété la gueule dans le rocher, aussi. Salope, je vais l'avoir. Bon bah voilà hein. Ça arrive. Écoute. Est-ce que je suis lourd avec cette batteuse putain?
Bon là, je reviens tout de suite, les amis. Je reviens tout de suite. L'urgence. Profitant que je conduise. Des toilettes. Quoi de faire là? Tu coupes ta cam quand tu t'absentes. Il y a un certain gang qui est encore frappé là. Je sais pas si c'est des lapins ou des loups mais... Il t'en reste encore. Salut. Je salue la performance alors, hein, parce qu'en une soirée ça part normalement. C'est pas un parking ici, oh. Incroyable la sécurité civile. Faut qu'on rattrape les collègues là. Arrête pas de me viander, c'est incroyable. C'est vrai que le truc de tomber en snipe c'est quand même bien chiant. Là je suis tombé, j'ai rien compris de ce qui se passait. C'est un hélicoptère. Je vais tirer. Ah oh, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Je sais pas qui a fait ça mais c'est un génie. C'est ça qu'il n'y a plus trop de TVD quoi. Trop bien, et personne s'en plaint mais c'est trop bien.
dirais qu'ils sont très bien sortis, mais bon. De Sierra pour CPA. Transmet. Est-ce que vous avez toujours les camions de Met en visu de Sierra? Quel camion de Met? Bah yes. Je croyais avoir vu sur la carte un trajet Met dealer de Sierra. Ah, négatif. C'est bien pris. Est-ce que vous avez du coup d'autres camions en visuel? Neg en arrière. Bien pris. J'ai commencé le petit système de territoire là pour la prochaine mage. Ça va être bien sympa. Ouais. Les deux territoires de l'Est. Ah, on coupe en deux, nord et sud, comme ça ils peuvent être plusieurs à contrôler le territoire. Ça va être modifié de toute façon. Mais ils pourront nommer les trucs comme ils veulent, donc évidemment les trolls seront sanctionnés, mais... Merci. Mais ouais, ils pourront nommer ça un peu comme... Yes. Ah mais tu vois, ma tenue elle s'est mise au final. What? Non mais d'accord, mais au final ma tenue elle s'est mise alors que j'ai galéré depuis une semaine. Au moment que j'ai galéré à essayer de la mettre et elle se met pas, et je ressors, elle se met. Moi? Ah, hier, j'ai plutôt couché au forest. La tour en pierre. Oui. Chaud. Non, il disait qu'en fait, il allait mettre lead Viper, mon lieutenant. Oh, puis on est pas dans la merde. Baisse ton arme, toi, la dernière juste fois, t'as porté ton arme, t'as fini mal. Juste le canon! T'as fini couché dans un bureau hier, tu te souviens pas? Général? Bon, les règles, on pointe pas un collègue avec son arme, c'est pas compliqué, merde. En général, oui. Un collègue, vous avez des explosifs pour faire sauter ce truc là, qui est dégueulasse là. Crou. Ah, fille. Oh. Salut. Il m'en faut trois. Je vais rester poli. Même si c'est pas moi qui les ai pris. Bonjour. Votre voiture. Ouais, mais c'est nul. À toi. Vous l'avez pas. Reviens à toi. Oh, à ton véhicule. C'est toi ton véhicule. T'assois. Va dans ton véhicule à côté. Monsieur ? Bonjour ! Monsieur ! Tiens, vous allez bien ? C'est vous hier qui avez négocié avec... Bonjour ! Ça se fait exprès. C'est bien, ça va, tout se passe bien ? Oui.
Juste enlevez vos véhicules de là, s'il vous plaît. Bah, j'ai acheté un mais... de chasse, donc pas bouger. Ça va tout péter, hein. Comment ? On vous aura prévenu. Bougez vos véhicules. Ah. Bougez, bougez, ça va exploser, bougez, bougez. Vite, accélérez, accélérez. Ouais, je m'en vais, je vais voir. Ça va être là avec. Vous avez ? Putain, il serait déjà mort. Ça se colle, hein? Trop d'or. Ouais. Oh. Vous voyez, de CP à Lille, vous voyez quelque chose pour le convoi LCP? Négatif, ils sont... ils ont repris là, ils arrivent. Je vais répéter plus tard, faut que j'aille sur la LCO. Ah, c'est bon, merci. Vous voulez que je la pose? On va se répéter plus tard, on va sur la LCO. Ok, on bouge. Ouais. Au commando? Hier, vous avez négocié avec le gourou. Ils sont venus, ils ont tiré dans la BR. Je rentre ou pas le véhicule? Je fais marcher mon cerveau. Monte, je m'en vais, toi. Vol d'argent d'objet parce qu'il a pris, il a eu une trousse. Ça, c'est tout. Ah oui, les gars. Mais pas la place. Ah, c'est bon. Dégage les guignols là. Non, c'est pas les insulter les gars, c'est trop con. De CPA lead actuellement. Plusieurs VL dont un qui a takedown un camion de la LCO sur la piste de l'aéroport, besoin de vous. Et vite. Je laisse la porte à l'arrière ouverte. Je suis en train de mettre une amende. Canette. C'est pas de CP à Lille, c'est pas PAX civil, donc attendez, soyez prêts. Ah, y'a le monsieur là qui roulait à balle sur le... la piste et il a coupé la route au camion et il s'est percuté. Il y a 2-3 véhicules qui ont failli percuter d'autres camions là. Allez, ah, balade là. Regardez là, la voiture c'est pas possible, là. Un peu à la jambe, mais ça va aller. Attendez, attendez, je vous soigne. Bah non, monsieur, je vous vois pas, vous êtes. Effectivement, oui. Ah, vous êtes bon. Allez, bonne. Pourquoi pas, monsieur? Oui, monsieur. Merci. Monsieur. Ok, on repart. Ouais, c'est lui qui est rentré. Ouais, pardon. Oui, oui. Neg, mais il faut déporter. Pardon ? Non négatif, je me suis pris un top camion et je suis en train de réparer mon véhicule, c'est-à-dire un pneu qui a crevé à gauche. Oui, oui, bah ouais, c'est chiant, quoi. Ouais, c'est cool. Surtout que j'ai un vieux kit, quoi, donc. Pardon ? En gros, j'ai que des outils primaires, quoi, sur le... ce que je veux dire. En gros, je peux parler pas de tout le monde. Attendez. Pardon, vous pouvez répéter ? Moi, je shoot la racaille. Qui, moi ? Regardez ma tenue de pauvre. Pauvre. Ah. Fais la maille, hein. Vous savez, entre une RS6 et cette Merco, il n'y a pas trop de différence. Hein.
Ouais, mais pour quelqu'un qui a pas de thune et qui roule en RS6, en Mercedes, c'est pas mal, tu vois. C'est pour ça que je te dis que tu pues la racaille. C'est pour ça que je vous ai dit que je fais de la maille. Bon. Tu veux que je trouve moi-même la chenouf ou tu vas me la donner? Monsieur, je ne suis pas un mec. T'as pas compris, je crois. Je suis pas un mec. Bandit illégal, c'est pas ce que je veux dire. Ah bon? C'est quoi qui dépasse de ton sac, Fiston? Qui se dépasse de mon sac? Je sais pas, un petit un canon là. Tu vois pas le canon? T'as vu le canon qui dépasse du sac? Ouais, c'est un gros truc, quoi. Un truc à répétition. Hein. En train de se foutre de ma gueule depuis le début, mais. Bon, t'as cru que t'avais un rigolo devant toi ou quoi là? Non, mais sérieusement. Moi je vais voir un canon dans mon sac. Ouais, tu vois, juste là. Ah, on va dire, je sais même pas de qui tu me parles. C'est avec qui on a négocié hier qui avait dit comme quoi. Tu te fous de ma gueule ou. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Bon. Tu veux que j'aille la chercher moi-même, c'est ça? Chercher un sac, sac à dos. Ouais. Bah dites-moi ce que vous voulez. Bah je veux ce qu'il y a dans ton sac. Vous voulez ce qu'il y a dans mon sac? Ouais. Pourquoi vous voulez ce qu'il y a dans mon sac? Bah parce que t'as pas à avoir ce genre de truc sur toi, tu vois ce que je veux dire? Prévenez Syrah, vous avez ce monsieur là déjà. Mais ça, ce que je comprends pas. Ouais. C'est que moi je vois pas de canon dépasser. Ah ouais. T'as reçu, okay. Bon. Je crois que j'ai pas le choix en fait. Faut que j'aille le chercher moi-même. Préviens Syrah. Pourquoi vous pensez exactement que je suis armé? C'est la question que je me pose. Tu sais ce que j'ai envie? J'ai envie de prendre mon pistolet et te le mettre sur la tempe. Et peut-être là que tu te chieras dessus et tu me diras la vérité. Ça me perturbe. T'as une chance de t'en sortir. Bah dites-moi. Fais-moi le cri de Tarzan. Fais-moi le cri de Tarzan. Pardon? Fais-moi le cri de Tarzan. Fais-moi le cri de Tarzan ou je t'embarque. Qui vient de nous être remis par les gourous en mode. Fais-moi le cri de Tarzan ou je t'embarque. Je sais pas comment écrit Tarzan. Bah tu regardes vite fait sur ton téléphone et après tu me fais le cri de Tarzan. Si dans 30 secondes tu ne m'as pas fait le cri de Tarzan, je t'embarque pour conduite dangereuse et après on trouvera autre chose certainement. Donc 20, 19, 18. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, c'est pas un cri ça, 9, 8, 7, 6, allez recommence, 5, 4, mec crie pas, je te dis de le faire normalement, 3, 2, voilà, dis pourquoi aujourd'hui ça ira, allez bonne journée, salut Tarzan, Viperly sur écoute. De Tarzan. Je t'écoute. Vous pouvez traiter Killian Jones, on n'a pas plus d'informations. On n'a pas plus d'infos pour lui. Donc vous le traitez comme un rampage classique. Apparemment il serait pas au courant. Ouais, putain, ça me fait. C'est bien. Ouais, mais les mecs, ils ont des bons souvenirs après parce qu'ils vont le retenir, ça, tu vois. C'est ça que j'aime bien. Les mecs, ils vont retenir ça. Tu vois. Comment ça? Tu dois aller où là? Parlé là-bas. Ah! Ah! Cher casino. Bah alors! Hop hop hop! Viens là toi! Barry White là! Barry White, reviens ici là! Bonjour monsieur! Bonjour! Salut! Alors, y'a un barbecue ici ou quoi? Oui! Comment ça t'as fait 200 000 de bénéfices? Viens ici toi! Comment ouais. Ça, t'as fait 200 000 de bénéfices là? Ah, je suis arrivé et ça fait un quart d'heure que je joue. Et t'as joué à quoi? Tu joues à quoi? Un casino. Ah, y'a un casino là? Hein? Y'a un casino là? C'est le méchant rouge qui s'en occupe. Ah! Vous savez qu'il y a un casino, faites pas style! Ah, y'a un casino ici! C'est ça! Vous savez qu'on squatte, qu'on spam la. Salut Vladimir! Comment ça va? C'est pas du tout Vladimir. Ah bon, t'as bien Poutine, non? Vladimir, il est plus joli que ça. Non, pas 200 000, attends, je suis à combien? Bon, je viens récupérer la caisse. La caisse? Ouais. C'est un braquage? Non, c'est pas un braquage, c'est juste la taxe.
Ah, on vient de me le livrer, c'est qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? C'est lent, moi la roulette, je vais la faire tourner dans l'autre sens. Pas de roule. Attendez, attendez. Non, mais sérieusement, monsieur l'agent. Ouais, je suis pas agent. Vous pouvez le libérer. Ah, bah, général, caporal. Ok, bien pris, mais je vais attendre un petit peu. Parce qu'il a été. Appelle-moi. Il traîne autour de la BA. Dieu. Comment? Dieu. J'ai pas entendu. Appelle-moi Dieu. Dieu? Dieu, Dieu est là en moi pour toi, c'est la parole qui fait la foi, tu vois. C'est quand même un peu gros comme nom quand même, Dieu. Bah j'y peux rien, c'est ma mère qui m'appelait comme ça. Vraiment? Ouais. Allez, vas-y, je t'écoute. Du coup, pour la taxe, c'est mes patrons qui s'en chargent parce que j'ai pas accès au compte du casino pour l'argent. Mais mes patrons seront là demain et mon grand patron sera là lundi. C'est qui ton grand patron? C'est Monsieur Joseph Stallone. Stallone? Adrien, c'est pas ma guerre, tu sais. Non, c'est lui. Stallone, monsieur. Ah, c'est Stallone, c'est celui qui a, c'est celui qui a pas de muscle. Ouais, celui qui a pas de muscle, celui qui a pas de muscle. D'accord, ok. Bon, si tu veux pas que je te pète ta machine tout de suite là, qui est juste là, là, tu la vois la machine là? Ouais. Quelle machine? Tu me fais le cri de Tarzan. De Tarzan? Ouais, de Tarzan. Aïe aïe aïe. Pourquoi je ferais le cri de Tarzan, j'ai vu. Bah sinon je ferme ton casino pour Magoui. Ok. Oh ok, ça c'est plus une femme qui a pris un orgasme qu'un Tarzan. Allez. Bon allez, à plus tard. Eh, quand je passe, t'aimerais que je gagne du pognon ou pas? Du pognon? Ouais, t'aimerais que je gagne quand je passe de temps en temps comme ça là. Hop, tu me fais. C'est pour vous hein. Bah si, tu trafiques un petit truc là, tu me fais hop. Ah, rien qui est trafiqué, monsieur. C'est tout est dans la... Ouais. T'as une tête à pas trafiquer, toi. Pardon? Ouais. Exactement, t'as trouvé le mot. Allez, à bientôt. Salut. Ça va, Palmer? Qu'est-ce que tu fais avec ton arme, là? Non, elle est pas du tout à moi. Moi, je roule pas en Aventador, moi, c'est une voiture de merde. Oui, juste à décaler. Attendez, je l'avance. Ah, d'accord. Putain, t'es bien armé, toi. Moi aussi, je suis armé. Ah ouais. Tu viens vraiment à pied là, Thomas? Ouais, il est bon le casino. C'est en face, à côté de la route principale. Ah mais on va vraiment venir te chercher là. Ah, c'est un camion de LCO. C'est pas mal leur truc en fait hein. Allez. J'aime bien. J'aime beaucoup. Putain alors lui. C'est ici, hein. Oh. Oh, il a roulé dessus. Mais c'est pas grave, ce qu'on allait se faire de toute façon. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? C'est la deuxième fois qu'il take down under cabine. Il fout ma gueule lui ou quoi? Doc, Deco. Tu fais quoi toi? Allô? Oh merde. Oh merde. Sécurité bordel. Ah merde, la sécurité bordel. Le cobra lead un peu. C'est la sécurité. Vite. Quoi? La sécurité. Ah, ouais, il est inconscient. Ouais. Et entre la vie et la mort. Hein. Oh, merde. Oh merde. Justement, c'est non, ça qui m'inquiète. Oh la vache. Merde, j'ai abattu, sans faire exprès en plus. Comme si tu t'es pas fait éclater la gueule. Bah ouais, mais en fait j'ai trébuché et PAC ça a fait dans la tête. T'avais pas mis. Il s'est passé quoi la BA? Je sais pas, il s'est passé quoi la BA? Bah, je sais pas, je voyais il y avait des tirs et la fumée. Il y avait pas de tir à la BA. Il y en a qui s'est planté. Ah, d'accord. Ah bah je sais pas, j'ai cru entendre des tirs. Il devait y avoir des munitions dedans, elles devaient éclater avec le feu. Ah ok, ah ouais c'est ça. Du coup. Bah du coup. Ce monsieur il cherche les ennuis là par contre, hein. T'as bien raison, c'est bien de la racaille ça. Bah oui, c'est une racaille, puis là il schnouffe la racaille, je le dis depuis le début. C'est personne me croit. Ouais, ça va, Dumas avec un Z. Oh mon dieu. Ça va mon commandant préféré. Bon, ok, nickel. Ouais, ça va, attends. Hé, hey, racaille où là? Parce que t'es pas une racaille en fait, t'es une racaillette. Mais j'ai rien fait, on m'a roulé dessus. On t'a roulé dessus, et toi t'as pas roulé dans les camions toi? Non, je vous jure. Je vous donne menteur. C'est quand même pas la deuxième fois d'affilée quand même.
On m'a roulé dessus. Oh monsieur, si je veux appliquer le traitement, faut pas l'assommer sinon. Bah, je l'ai pas assommé, je l'ai pas assommé, monsieur le docteur. Je l'ai pas assommé. Ah bah, le coup. Non, c'était pas un coup. C'est juste que j'étais en train de mettre ma sécurité sur là, mais j'ai glissé. Vous ne voulez pas glisser avec lui, soyez-en sûr. Par contre, là, monsieur, il va falloir arrêter de bouger là. Sinon... Ouais, arrête de bouger. On va te mettre en sécurité. Oh, dis donc. Je t'ai dit que c'était une racaille. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je sais pas. Oh, y'a qu'un. Pourquoi je suis menotté? Bah, parce que t'es en arrêt de la... t'es un état de l'arrestation pour avoir agi comme une racaillette. Et parce que tu n'as pas fait le cri de Tarzan correctement tout à l'heure. Donc t'es arrêté. C'est faux. J'ai fait. Nickel, cri... bah, écoutez, évitez juste de le bousculer et lui faire courir des, les 800 mètres. Hein, et, ah, mais pas de problème. Temps, ah, vous nous connaissez, monsieur le docteur, on est toujours. Bah, justement, c'est pour ça que je dis ça. Non, ça va. Oh. Voilà, ça c'est Tarzan. Là pardon. Retournez faire le vôtre alors. Ouais, mais. Y'a pas de soucis. On peut pas. C'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas, tu vois. Hop là! Aspirateur. Voilà, fais l'aspirateur. Vas-y. Attends, on va passer l'aspirateur dans la bagnole, vas-y. Allez, maintenant. Très bien. Mais bon, allez, t'es embarqué. Ah, par contre, faudrait qu'il ouvre sa voiture. Ah ouais, faut que tu ouvres ta voiture, mec. Ok, pas de soucis. T'es où? Ah, je sais pas si elle est ouverte. Ah, bouge pas! Arrête de bouger! Putain, mais. T'es nerveux, toi! Allez, vas-y, ouvre ta voiture! Tut tut! Avec la télécommande! Allez, sur la tête! Tut tut! Oui. Allez, mets la main sur la tête! Tut tut! Allez, hop! Tut tut! D'accord. Hop! Tut tut! Voilà, on va prendre ta gentille voiture et on va te mettre dans la voiture. Oh, dis donc, mais c'est quoi tout ça là? Putain, y a même plus de place dans le coffre, mec. T'abuses. Putain, il a eu le racaille là. Oh. Bon, c'est quoi ton nom, racaille là? Lenny Mustafia. Lenny Mustafia, ça fait pas longtemps que tu as une racaille toi. T'es une petite racaillette toi. Allez, viens. Mais non. Fais le Tarzan, entraîne-toi à faire Tarzan. Allez, viens. Allez, viens. Je peux faire l'aspirateur. Ah, fais l'aspirateur alors. Allez, viens. Je fais où? Ouais, là-bas, viens, viens. Là. Arrêtez-vous, putain, je suis en train d'accepter depuis tout à l'heure. Non mais il rigole quand même là. Allez, go. C'est où que ça pue? Allez, passe l'aspirateur dans la voiture du ministre. Elle est pas propre là, hein. C'est la voiture du ministre quand même. Bon! Mais alors là, Lenny, là, ouais, c'est bon, arrête, elle est propre, là. Oui. Parce que là, t'aspires pas, là. Bon, qu'est-ce que tu vois quand j'ai des pare-balles dans ta bagnole, là? Alors voilà, alors je vous explique.
Alors explique-moi vite parce que... Récemment. Il y a 2-3 jours, je me suis fait braquer. Ouais. Jusqu'à ce braquage, je me suis pris une balle. D'accord. Jusqu'à là, vous me suivez. Ah, jusqu'à là, ouais. Suite à cette balle, j'ai été handicapé pendant une semaine. D'accord. Je ne pouvais pas aller au travail pendant une semaine. D'accord. Du coup, ayant eu la mort, bah, je me suis dit, ouais, j'ai trouvé des méchants pour qu'ils puissent m'équiper. Mmh. Du coup, j'aurais demandé s'ils pouvaient m'équiper en cas de problème. Ils m'ont dit oui. Du coup, j'ai payé une certaine somme pour me faire équiper. Et puis voilà. Donc, t'as payé pour te faire équiper en fait. Oui, voilà, c'est ça. Pardon ? T'es en train de te foutre de ma gueule en fait. Monsieur, je vous dis que je ne suis pas. T'as payé combien pour tout ça ? Ça là ? L'équipement, ouais. L'arme et tout ? Ouais. 150 000. Mais t'as acheté ça où ? Bah, c'est le mec qui l'a payé pour moi, genre. D'accord. Et donc, tu te promènes avec ça, toi ? Et tu bah, jamais oui, tu t'es. Et là, du coup, tu t'es dit : tiens, si j'allais faire un braquage. Mais qui vous a dit que j'allais braquer ? Je sais pas, tu fonces deux fois dans les camions de la DC. Écoutez, je peux vous expliquer ma version ou pas ? Ouais, vas-y, explique-moi ta version. Alors, je vous explique. Premier accident, honnêtement, je vous l'avoue. Oui, je l'ai créé, mais pas volontairement déjà. Je suis en train de rouler. Oui, certainement, je voulais. De CPA pour Cobra, tout près des dômes. Genre, vous voyez avec quoi derrière moi dans mon rétro. Bon, oh, c'est bon. T'es connu, toi ? T'es connu par la loi ou pas ? Non, non. Négatif. On a une voiture qui part en entraînement avec probablement armée RS6 noir. C'est reçu celui-là, on va sur les papiers. Affiche en passe canal A. Oh la vache. Je suis beau comme ça, non ? Non, super sexy. Ouais. Aussi simple. Bon ! Ouais, vas-y, ça peut te faire plaisir. Bon, du coup, et tout, je fais l'accident. Vous voyez quand vous regardez dans votre. Comment ça s'appelle ? Rétroviseur 360 degrés, vous voyez quoi je parle ? Ouais. Allez, viens avec moi. Du coup, je regardais là, et boum, je me le mange. Du coup, par respect et tout, je viens, je m'excuse. Je fais, ouais, je te répare ton camion. Du coup, il me dit, non, c'est bon, pas de soucis et tout, mais fais attention et tout, t'as pas à être là, bref, tout le délire. Et voilà, la sécurité arrive, répare et tout. Moi, je répare ma caisse au moment où vous arrivez. Voilà, vous me laissez partir. Et suite à ça, genre au loin, je vois de la fumée. Du coup, je me dis que quelqu'un a besoin d'aide, j'y vais. Je vois un mec, son camion il a en fumée bizarre. Et je fais, vous allez bien et tout, vous avez besoin d'aide et tout. Il me fait, non, c'est bon, tranquille. Il répare son camion, etc. Il me fait, merci quand même, au revoir. Je me dis, ok, au revoir. Et je lui ai un petit, vous savez, quand genre, vous sentez, quand vous prenez trop de soleil sur la tête. Ah, tu continues à parler encore ? Bon, ça fait combien de temps que... Ah, d'accord. Et personne ne l'a arrêté. Ok, ouais. Bon, passe à la super-tour, là, je reviens. Y'a un mec de l'OGA là ou pas ? Salut, agent Spectra, merci d'avoir follow la chaîne, bienvenue à toi. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur Discord pour les jeux communautaires et sur YouTube pour voir les lives. Merci et bienvenue à toi. Voilà, c'est tout, c'est bien ça. Ouais. Ok. Allez, continue, il faut que ce soit propre. Hein. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Allez, viens, en attendant l'OGA. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Oh, Dyson, vas-y, viens voir. Un autre boulot en attendant l'OGA. Allez, viens. Allez, viens avec moi. C'est bon, t'as à manger et t'as à boire ? Oui. Bon. Salut, Tarzan. C'était Tarzan, t'as vu ? Allez, fiston. Attendez, monsieur, j'ai une question. Non, mais attends. Merci, mon petit Mortaxi. Allez, viens. Merci, Mortaxi. Merci beaucoup de ton don. Merci à toi. Merci, ça fait super plaisir. Merci à toi. Bisous, mon loulou. Merci à toi. Allez, viens. Imagine, tu peux
en général, on vous appelle ou des vidéos comme quoi ils proposent des armes ou des convois de drogue ou je sais pas trop quoi, tu vois. Pourquoi on peut pas ouvrir la porte là? Ben, boum, tu vois, genre on a la preuve. Ah. Comme ça, on. Allô? Quelqu'un? Et on, leur casse, on les casse en deux, quoi. Et général, mais par contre, tout à l'heure. Le bordel là. Ouais. J'aurais dit, est-ce que vous êtes la secte? C'est moi ou. Non, c'est pas moi. Allez, un fiston là. Il est où, fiston là? Ah bah voilà. Tiens, tu passes l'aspirateur dans mon bureau et après on verra ce qu'on fait de toi. Mes couilles là, c'est. Mais la secte et les affranchis, c'est pas du tout la même chose en plus. Ou un gilet, quoi. Un gilet de. La secte, c'est pas pour les affranchis. Je peux pas. Mets-toi le cul. Mais équipement hors service. Ben y'a pas de. Ouais, Mako bug quoi. Ouais, ça va mieux. Merci Mortal C de ton don, merci ouais, beaucoup de ta donation, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir les mecs, merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, passe l'aspirateur dans mon bureau. Arrêtez là. Allez, grande tenue là. Si je rentre pas chez l'aspirateur, j'ai passé l'aspirateur. Bah, c'est ça, ouais. Bon, c'est bon, fiston, allez, viens. Mérite. Bon, tout est prêt. Allez, je vais travailler. Oui, tout est prêt. Dans le dos. Je sais pas si t'as vu du camion. Allez, viens ici, là. Bon. C'est que, de toute façon, oui. Allez, t'es libéré, viens. Je sais bien. Mais là, on a chopé des mecs à l'SD, tu vois. Peut-être que l'SD va. Allez, à plus. Et la prochaine fois que je te chope avec ça, c'est la tôle. T'as compris? Va te trouver un travail illégal, va te trouver un pognon, va du pognon de légal. Va voir la LCO, dis que tu viens de la part de Dédé. Ils vont t'embaucher, ok? Oui, oui. Mais en fait, ouais. Comment je récupère ma voiture? Ta voiture, je la garde, ça t'évitera de faire des conneries. Mais je convois, c'est ma seule voiture. Oh, quel dommage. T'as qu'à pas braquer la LCO avec. T'as compris? Oui, je vais pas braquer, mais je t'ai jamais braqué. Bon, va te trouver un travail, va à la LCO, tu dis que tu viens de la part de Dédé. Je te fais un cadeau une fois, pas deux. T'as compris? À la demi-tour, t'as essayé de préparer un coup d'état dans la voiture. Bah allez, bisous. Merci pour l'aspirateur. Hein. Bon, si eux, t'as essayé de préparer un coup d'état dans la voiture. Si t'as trop d'informations sur ça, bah. Si on peut le virer, mon général, celui-là, parce qu'il sert à rien. Bon, il se passe quoi là? J'ai pas dit que ça avait grand chose non plus. J'ai sauvé plus de collègues que toi, tu en as sauvé. Lui, il parle. Bah allez, on se casse. Ouais, on se casse. Moi, les gars. Bah on est trop cool. T'as quoi bug? Ouais, c'est moi qui bug. Je sais pas, j'ai pas vu si c'était moi qui buguais ou le serve. Mais je pense que c'est moi, l'aspirateur. Oh, j'étais gentil avec lui. Là, j'étais super gentil. Merci Oulapo, merci d'avoir follow la chaîne. Bienvenue à toi, bienvenue dans la communauté de Springfellow TV. Bienvenue, merci de ton follow. Tu peux nous rejoindre sur Discord pour les jeux communautaires sur d'autres jeux. Et tu peux également nous t'abonner sur YouTube pour voir les lives. Et ce live, merci à toi mon loulou, bienvenue. Salut Fares, comment ça va? Oh le don. Follow en masse, hein, c'est important. Ah ouais, le don. Hein? Follow en masse, c'est important. Putain, mais qu'est-ce que tu fous de ma bagnole, toi? Qui a frappé qui, là? Bah, allez, là, allez. Allez, on se casse. Ouais, bah, t'as raison, on recrue. Moi qui frappe tout le monde. Par contre, je fais quoi, chef, j'attends. C'est Octavia que j'ai vu dehors, non? Attends, je vais me lever, je vais les fumer. T'as mis le bar tabac. Franchement, nickel. J'aime bien votre truc, c'est pas mal. Faudrait-vous mapper quelque chose en fait. C'est limite, faudrait-vous mapper un bâtiment. Je sais pas si c'est possible. On peut valise, ça veut dire? Je vais te valise, tu vas finir à Kavala. Franchement, c'est top. Hein. Comment ça? Ah, hein. Oh, je vais me faire rouler dessus, je crois. Rouler sur l'autre. Attends, ça bat.
Bon, désolé, ça a bugué. Voilà. C'est comme tous les soirs, on a un coup bug. Aïe, ouais, aïe, 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 ouais, ça arrive. Bon, bah, j'en profite pour discuter avec vous le temps que je relance. C'est pas dur. Coup dur là pour la co. Ouais, c'est les touristes là. Ça y est, ils sont revenus. Là. Donc, ils bouffent ma co. Putain, mais laissez-moi la 4G, les touristes là. Ça va venir, les gars. Vous inquiétez pas. Mais c'est bizarre parce que ça me le fait. Ça me le fait quasiment que sur Arma. Quoi. Sur les autres jeux, ça me le fait pas trop en fait. C'est ça que je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave, en soi. Bon, merci tout le monde pour votre fidélité, de votre présence. Merci Mortaxi pour ton don de 10 euros, ça fait super plaisir. Merci Marmoud. Merci aux followers Marmoud. Bienvenue Marmoud. Bienvenue à toi. Bienvenue dans la communauté Altis Life France. Bienvenue. Je suis sur ma chaîne Springfellow TV. Rejoins-nous aussi sur YouTube pour voir les lives et sur Discord pour les jeux communautaires. N'hésite surtout pas. Tu arrives au moment où je crache, mais c'est pas grave, on va relancer ça. En attendant, je vous laisse en compagnie de ma modératrice et ses jeux. Salut Marmoud, comment tu vas? Merci d'être présent, merci d'être venu, merci beaucoup. Bon, ça va dans le chat, tout le monde va bien? Si tout le monde va bien, tout le monde me fait un oh, oh. Ou un cri de Tarzan. Ou d'aspirateur. Comme vous voulez, je vous laisse le choix. J'aime bien le coup de l'aspirateur, ça faisait longtemps. Faut que je me réhabitue, hein. Je rentre dans Sierra bientôt. Ça arrive, hein. Ne vous inquiétez pas, petit crash co. Oh, oh. N'oubliez pas que vous avez toujours le jeu concours à disposition. Tapez point d'exclamation give away pour répondre à la question et participer au tirage au sort qui aura lieu tout à l'heure. Merci de tes pits, Stivers, merci. Ça encouragera mon, peut-être mon PC à redémarrer. Qui vous encouragera pour gagner un jeu PC Uplay, naturellement. Putain, ça veut pas. Ce soir, je sais pas ce qu'il y a. Hein? Marmoud, je te suis sur YouTube et m'avait tué tout à l'heure. Et quoi? Et vous m'avez tué tout à l'heure. D'accord. Ah, c'est toi qu'on a tué. Ah, d'accord, sur le LSD. Ah merde, c'était bon là. Putain, je suis con quoi, moi. Non, pas bon. Putain, c'est vraiment la merde. Hein. Même les administrateurs, vous voyez, ils ont des problèmes des fois de serveur. C'est casse-couille hein, quand même. Je comprends pourquoi il y en a qui pètent les plombs. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Comme dirait l'autre. Administration. Hop, paramètres liés à Altis Life France. Moi, je suis toujours obligé de passer par le lien internet pour pouvoir rejouer systématiquement. Ouais, ah ouais, d'accord. Derrière le petit buisson. Bon allez, je vous laisse participer, ça va bientôt se terminer d'ici 35 minutes. 35 minutes, fin du jeu concours pour gagner un jeu PC Uplay. Bon, bah, il me le trouve plus. Comment ça se fait? Ah, c'est Altis Life France. Voilà. Quel serve de merde. Ah, je rigole. Ouais, non, mais c'est, je sais pas pourquoi. C'est, déjà, je suis fâché avec Free, déjà, parce que, voilà, avec Mako. Donc, je passe par la 4G, forcément. Ça passe, mais des fois, putain, ça bug de ouf, quoi. J'ai l'impression qu'il me bouffe mon... Mako, là. Je sais pas ce qu'il me bouffe Mako, là. Casse-couille. Ça me le fait qu'à un certain moment, en fait. Ouais, c'est reparti. Ne vous inquiétez pas. Encore plus nul. Moi, j'avais... La Mitsubishi, j'ai récolté. Ah, c'est toi. D'accord, d'accord. Mais en fait, on n'était même pas sûr que tu étais derrière le buisson. On a vraiment tiré au pif, en fait. Hein. Bah, tu verras ça sur la rediff, en fait. On a vraiment eu du cul, en fait. Mais toi.
Merci de ton follow, Dolph. Bienvenue. Bienvenue à toi. Merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite ici à nous rejoindre sur YouTube et sur Discord pour jouer à d'autres jeux en communauté, ensemble. Merci. Merci à toi. On n'est plus qu'à 8 du 350e follower. Plus qu'à 8. On monte progressivement. Ça fait plaisir et bienvenue à tous. Bienvenue. Ça va pas bug là quand même. Ah non, c'est bon. Pourquoi faire ? Allez, c'est parti. C'est parti. Viper de DD. Salut Alpha, bienvenue à toi. Merci également d'avoir follow la chaîne. Merci à toi comme précédemment. Je t'invite à nous rejoindre sur YouTube et sur Discord pour les jeux communautaires. Merci à toi. Nous sommes à 7 du 350e. 7. Bon, c'est bon ? Tu t'en vas ? Non, moi j'y vais, j'y vais. Ok, ça marche. Pas de soucis. A plus ? Oui, il est bon. Les autres. Oula. Oula. Viper de DD. Au marché, je crois. Moi, ça. Viper de DD. Oh la vache. Festival de follow ce soir. Qu'est-ce qui se passe ? Salut, Paul Moissonnier. Bienvenue à toi également. Je te laisse aussi nous rejoindre sur Discord ou sur YouTube pour avoir les follow. Merci à toi et bienvenue à tous. Bienvenue dans la chaîne où on se marre, on rigole et on casse tout le monde. Ah, c'est important. Et surtout les flics. Non ! Je vais aller faire un petit tour à la LC, je trouve que c'est pas loin. Ouais. Vas-y, mets-toi en route, on te suit. Pas de Sherman. Alpha, vous dirigez, vous allez où vous voulez, vous suivez. Ils sont butés. Ah, je suis. Trois flics. T'as moyen de le mettre d'arrive, quoi. Ouais, il manque combien là, machin, là-dedans. La peine de mort, elle est là-dedans. T'es mort. Attends, viens. On peut le tuer lui ou pas? Bah, des rampages, hier ils ont pris 8 policiers en otage, ils en ont fumé 4. C'est un rampage lui? Oui. Oh non, non, je peux. Ah ouais? C'est Kylian Jones. Secondes, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Qu'est-ce écoute-moi que j'ai à mettre en facture déjà? C'est Kylian Jones? Ok. Écoute un téléphone. Eh hey, toi, oh, avec ton pas, béret. Téléphone j'en ai pas. Ok. Petit béret, j'ai déposé un téléphone par terre. C'est quoi en fait? Un numéro, tu vas bah en fait, part. Monsieur le ministre, on m'a dit de mettre 3 amendes, donc je l'ai mis 3 amendes. Ouais. Et en fait, il devait en prendre à peu près 6 ou 7. Donc, salut l'avocat, ça va? Ça va. T'es un homme, hein? Surveillant. Ah, t'es un lève surveillant maintenant. Je suis avocat et il est surveillant en même temps. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais dit que j'allais me faire 100 000 ce soir. Non, rêve. C'est ouais, il y a combien encore avec? Ouais, Max. Oh le pute. Tu le buté? Ouais, il a fait me buter hier. Ah bah. Fais ce que t'as à faire. Je vais te buter avec un axe dans les mains. Hein? Bah oui. Bah oui. Regarde, t'es vite fait. Aïe! Oh putain. Voilà. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Bah laisse ouvert, regarde. Oh, oh les marches, oh les marches, oh les marches, oh merde, oh putain, ah, excusez-moi j'ai trébuché les escaliers. Ah, oh, j'ai glissé, merde, appelez les médecins. Oh putain, j'avais pas mis la sécurité, putain. Et le bif, mon merde. Oh putain, désolé mec, oh merde. Putain, j'ai trébuché les gars. Appelez les médecins, appelez les médecins. J'allais avoir sorti. Pour Alpha Bravo de Charlie, un jour appel de Doc, je vous rappelle, c'est 130 km/h, vous avez le Strider avec vous. Il faut lui essayer de l'air pour qu'il puisse respirer. Merde, j'ai trébuché, putain, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, désolé. Ouf, oh Mike, ouf. Franchement, j'ai. Vite, j'espère qu'on va le sauver quand même, j'ai pas fait exprès. On va le sauver, et c'est pas professionnel, monsieur. J'ai mangé des œufs. Ah ouais, mais je voudrais bien. Ah bah ça m'étonne pas, Odor, il te nourrit bien ce que je vois. Laissez-le, on va le sauver. Oui, mais je voudrais récupérer mon bif avant, ouais, s'il te plaît. Ton bif? Ah, ouais, faut sauver le bif, les gars, faut sauver le bif avant. Putain, vous indiquez. Pas du tout, Baxter, pas du tout. Comme je dis depuis le début, vous pouvez rester sur le stream, y'a aucun problème, tant que vous ne l'utilisez pas. Le reste, je m'en fous, vous pouvez regarder,
Vous pouvez dessiner sur votre écran, vous pouvez me faire des bisous et tout. Je vous verrai pas. Non, il n'y a pas de souci. Pas de problème, Maxter. Vite la sécurité, vite la sécurité. Oh là 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 là. Sécurité, s'il vous plaît. Ouais. Attends, je vais lui mettre. J'ai un produit magique. Non. Il a un pou ou pas? Non, il a pas de pou. Il a pas de pou, ok. Non. C'est bon, on a la sécurité. Oh, il est passé où? Il est là. Merde, putain, je pensais. Putain, l'escalier, faut vraiment qu'on mette une rampe ici. Hein. C'est vraiment le bordel. Hein. C'est abusé. Ah, sans déconner. Plus, on a un portugais dans la Viper et il branle rien, quoi. Ah, bah putain, merde, faut lui mettre quelque chose. Hein. Bonjour. Allez-y, Molo, il est sous le choc. Ah merde. Il est sous le choc. Ah ouais, ouais. Il est sous le choc. Voilà. En fait, il y a un collègue policier qui a trébuché dans les escaliers. Voilà. Et il y a la rafale qui est partie. Une erreur de but de débutant. Hein. Vous savez, vous connaissez le coup dans le coude là qui fait un petit coup électrique là et. Je ferme la gate. Bah, c'est appuyé sur la gâchette. En fait. Attends. Je vais, c'est bon. Donc, attendez, monsieur le ministre. Mais par contre, monsieur le ministre, dans son casier, il y a pas mal. Mon commandant ? Ouais, c'est moi. Je vais prendre ma fin de service, je vous laisse le reste des cobras, hein, d'accord ? Ah, c'est gentil, ouais. Merci Alder, c'est gentil de me dire ça. Mais je m'en fous de tes gars en fait. Allez, tous crevés, vous êtes tous virés ! Voilà, c'est bon, je m'en suis occupé. En plus, j'ai de l'expérience. Ah. J'ai tout le champ des LSD qui follow. Qui sont cons, les mecs, quand même. Et tu arrêtes de m'embêter aussi. Eh ben, les gars, ils sont encore fumés, un mec dans la box. Non, mais j'ai rien fumé, moi, les gars. J'ai trébuché dans les escaliers, en fait. Il a perdu la parole, je crois. Il me semble. Oh, bon, attendez, attends. Il est vivant. Mais il parle plus. Bien, ouais. Ah! Merci, vous me rassurez, je pensais pas. Oh là là, je vais me remettre de cet accident, ça va être terrible. Je crois que je vais partir aux Bahamas pendant 2 semaines, moi. Ouais, t'as un couteau, t'as un truc, hein? Quoi? Non. Attends, j'ai cherché un truc. C'est Doc? Oui, c'est moi. Salut. Pire. J'ai les 4 murs si tu préfères. Oh putain, vous êtes tous des recrues? Il y a un brigadier dans le tas. Allez, on est attaqué chacun dans une tour. Maximum de défense, tout le monde dans les tours. Allez, hop, 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 action là, je rigole pas là. Hop, hop, hop. Un ici, un là-bas et un là-bas. Allez, hop, 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 hop. Mais pourquoi ils y vont en rentrant? Vous êtes cons les gars ou quoi? Ah oui, vous êtes cobra, pardon. Non mais je me demandais, j'ai dit ils sont cons, mais c'est normal, ils sont cobras. Je suis con. Ah bah si. Ah, vous y avez droit les gars. Oh putain, là-bas j'ai encore plein de trucs dedans. Putain, j'ai un peu de fou. Je vous ai dit, vous montez dans les tours. Mon lieutenant, on quitte BA, c'est commandant, fais quoi maintenant? Vous montez dans les tours, les gars. Sécurité, là, hop. Il y en a deux qui montent sur le toit de la BA, là. Hop. Allez, les gars, là. Il y en a deux qui montent sur le toit de la BA. Un qui monte dans la tour, là. Et un qui monte dans la tour, là. Maximum sécurité. Allez, hop, c'est parti. Max ? Ouais. Répondez. Allô ? Allô ? Mathieu, c'est toi qui m'as tasé ? Putain, je vais le fumer. Allez ! Je vais vous l'ouvrir. C'est pas grave, je vous le rouvre. Il y a plus le doc ? Salut, oh, ça va? Mais si. Laissez faire les professionnels. Et puis c'est pour les salaires. Putain, toi tu vas parler ou je te coupe maintenant? Bah il parle. Parle. Putain, je vais te couper.
Putain, parle. T'as vu l'accident là? C'est passé pour un accident déjà tout à l'heure. Maintenant, tu vas parler, tu craches tout. Si tu craches pas, je te coupe la tête. Allez, crache. Crache, crache. Tout. Tout ce que tu sais, tout ce que t'as dans ton crâne. Sinon, je te coupe la tête, les bras et les jambes et tes couilles. T'as le choix. J'avais un fils. Et je vais couper. Et je vais couper tes couilles et je vais te les foutre dans la bouche si tu me racontes de la merde. T'as 5 minutes, mène-toi. Dès que je vous dise quoi, dites-moi. Tout, je veux tout savoir sur la rampage. Je veux le patron de la rampage, je veux l'organigramme de la rampage. Je veux savoir où vous donner. Vous savez, dans la rampage, on était très très discret. Ouais, vachement discret. Vous êtes tellement discret, vous faites des prises d'otages partout, on a tous vos noms. Alors, hein, c'est bizarre, je retrouve une voiture à trois au niveau de la douane nord tout à l'heure avec des armements de M320. Hein ? Coupe plus la tête, coupe plus la tête. De l'OGIA, je crois. Non, pour prendre une place, faut pas voir que l'OGIA. Attends, j'ai pas de lame. Ouais, attends, laisse-moi deux secondes. Attends, viens. Ah, mais non, mais faites pas du pad parce qu'on entend le la GoPro. T'as la chance, énormément de chance. Ils m'ont parlé apparemment qu'il y avait des indiques qui travaillaient avec eux. Ils ont apparemment les docs de la police, de pas mal de policiers quand j'y étais. Bah ouais, mais ils peuvent pas. C'est... Bon, bah, faudra reclarifier ça. Ouais, bah oui. Parce que, par exemple, ils ont un doc avec pas mal de noms de police. Ouais, vas-y. Chef Casa. Il y a un autre mec et tout, mais lui, il peut savoir des choses. Ouais, bah, lui, tu le fais cracher. Mais je vais chercher des lames. On va le faire cracher. Vas-y, va chercher des lames. Vas-y. Moi, je finish. C'est pas moi. Mon commandant. Ouais. Il y a un monsieur, il va porter plainte, là. Pour qui? Pourquoi? Votre policier, les gars. Il m'a dit... Mon commandant, moi, je suis recrue, moi, je sais pas. Il m'a dit par rapport à un groupe rebelle, là, ce qui paraît. Dans l'après-midi, ils ont braqué 5 millions, plus de 5 millions d'or. Qu'il aimerait porter plainte. D'accord. Avec un pied en beige, en désert. Juste en bas. Monsieur de la cité d'or. Le DG de la cité... Oula. Oula. Oh putain, faut que je fasse gaffe parce que j'ai... Je vais prendre quelqu'un. Oh là, ça va ou quoi? Oh là, bonjour. Ouais, je voudrais porter plainte. Attends, je te gratte le nez un peu. Hop. Ouais, vas-y. Ah, merci. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Hop là. Oh non, merde. Tiens, toi. Hop. Ouais, vas-y. Ouais, je sais pas, peut-être. Ouais, oui, bon, tu t'es fait braquer, c'est ça? Ouais. Et ils ont tué des gens et j'ai des noms. Est-ce que ça te dérange que tu me formes? Un petit policier sympathique, ouais. Au dépôt de plainte, ça te dérange? Ouais, vas-y. Allez, vas-y, viens. Allez, viens ici, toi. Ramsey. Allez, viens. Et en plus, je te prends de mon bureau. Voilà, regardez, vous êtes trois policiers pour le directeur général de la LCO. Ouais. Donc, il veut déposer plainte. Vous allez sur le site gouvernemental, vous ouvrez l'ordinateur, là, hop. Vous prenez dépôt de plainte. Voilà. Alors là, t'as les to be free. T'as trois cerveaux pour un mec. Normalement, ça devrait mal. Normalement, ça devrait mal se passer. Oui, enfin, il y a moi et puis après, il y en a deux demi, quoi. Ouais. Et normalement, ça devrait mal se passer. Ah ouais. Ouais. Bon, bon courage. Ça, vous... au pire, tu mens. Il y a une caméra, non? On va les filmer. Tota, je vais te défoncer. Et vraiment, juste un moment. Monsieur Proini, tenez, vous allez pouvoir accueillir ma plainte. Oui, commandant. Coupe ta putain de radio. Oui. Il va y avoir un mort, il va y avoir un mort là. Hé, hey, monsieur, pourquoi vous me laissez les queues là? Non. Bon courage, à tout à l'heure. Bon, allez, maniez-vous le cul, les gars, là. Vous êtes des professionnels de la sécurité publique. Vous devez absolument prendre les victimes en charge. Et monsieur est une personnalité de Lille. Il me donne des... Non, ça, il me donne rien. Allez, vous asseyez, hop, c'est parti. Je m'occupe de vous, ma victime, c'est bon. Et vous mettrez dans son dossier, évidemment, qu'on a trouvé des armes illégales dans la centre-prise. Non, on met pas ça. Non, il n'y a pas d'armes illégales, ça. C'est après, la LCO, c'est la moins bonne des trois entreprises, quoi. Ouais. Pourquoi tu parles avec un accent, toi? Pourquoi t'as un accent, Jason? J'ai pas d'accent. Si, t'as un accent. Non. Si, t'as un accent. C'est moi qui ai un accent. Mec, chien du nuire. Mais ta gueule, toi. Ah mais lui il est perché jusqu'au bout. Non, arrête de me coller, c'est bon. Putain, mais qui t'as recruté, toi? Canamo. Oh merde. Allez, c'est parti. Prenez sa plainte. Je m'en occupe du coup.
Bah, chef samouraï, vous êtes où? Ouais, ça va, monsieur le commandant. Il y a 4 cerveaux, commandant s'occupe de la vie. Chef samouraï. Ouais, vous en avez un gradé. Je m'en occupe. Et pas de conneries, parce que sinon le ministre va vous défoncer. Hein. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on est des professionnels. C'est fragile, hein. C'est comme un vase. Ah, laisse tomber, lui, attention. Il se fissure. Mettre le samouraï. Allez, on commence par quoi? Par les couilles ou les doigts de pied? Alors, il a attends, dit quoi? On va lui péter les joues. Oh. On va bien péter les jambes déjà. Oh. Je lui mets un peu de sel parce qu'il aime ça le sel. Ouais. Tiens, je te laisse ça. Si tu veux t'amuser. Hein, Max? Tiens. Oh. T'as ça là? Ouais, parce que j'y vais, parce que c'est le bordel en fait. Tiens, je te laisse ce sabre par terre, tu vous amuser. Ça a tiré, ouais. Mais je sais qui c'est. C'est le commandant. Négatif, c'est pas moi, les gars. Merci. Pour info, c'est pas moi qui balance, hein, qui tire. Je veux qu'on sécurise. Je veux qu'on sécurise la BA, s'il vous plaît. Dépôt de plainte, description de l'enquête. Hein. Allez, expliquez-moi. Non, mais je crois qu'on va se faire attaquer. Il sécurise la BA, il a dit. Je sais même pas ce qu'il faut marquer. C'est pas grave, là, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout pas. Hop. Et vous venez déposer plainte que seulement? Putain, attends, faut toujours en face. Ah, d'accord. On dit ça. Oh, des sushis dans un aquarium! Waouh, c'est sushi dans un aquarium. Alors vas-y, grosse description. Excusez-moi. On a vu Syrah emmener un de nos hommes. Il est où celui qui parle? T'as vu quoi toi? T'as vu quoi? On a vu la voiture de Syrah emmener un de nos hommes. Qu'est-ce que t'en sais que c'est la voiture de Syrah d'abord? Bah parce qu'on sait que vous traînez en véhicule bleu et un véhicule noir. Et alors? Depuis le début, vous êtes avec un véhicule bleu et un véhicule noir. En fait, c'est la fin de vie. Et vous avec des M320? J'ai l'air d'avoir un M320. Et après? Et c'est quoi le problème? Pourquoi il est là? D'accord. Pourquoi tu sors la drogue? Pourquoi tu sors la racaille? Pourquoi tu snuffes la racaille? Si. On est. Si. Je vais fermer à clé. Hop là, voilà. Fermé à clé. Allez, vous faites ce que vous avez à faire avec eux. Rentre dans les toilettes là. Rentre dans les shots là. Oh, rentre dans les shots. Ouais, rentre dans les shots là. Si tu pars, t'as. Oh, tu t'en sors pas là, dans les shots, t'as dit. Dans les shots, t'as dit. T'as pas compris ou quoi? Monsieur, les policiers ils veulent qu'on aille dans les shots au cas où. Hein. Ouais, allez, hop, dans les shots. Oh. Il y a un tir, il y a un tir. C'est moi qui a tasé, c'est moi. Vous interpellez. Vous l'avez arrêté pourquoi? Merde. Viens là. Oh. Rentre à l'intérieur, je te dis. T'es mal arrêté. Arrête de faire l'idiot. Allez, fais pas le con et rentre là-dedans. Hop, rentre là-dedans. Pas très intelligent de ta part, hein, ce que tu fais là. Ah oui, rentre là-dedans. Bah, rentre à l'intérieur, il est dans les chaînes, ton collègue. Pas dans les toilettes. Allez, rentre là-dedans. Rentre là-dedans. J'ai pas envie de faire pipi. Voilà, allez, faites ce que vous allez faire, les gars. Oui. Bah il y a eu un combat et ça s'est un peu calmé. Là il y a bon allez c'est bon, on y est. Et un civil. Bon vous en sortez là c'est bon. Deux employés de la faire du mal dans les toilettes. Tais-toi. Civil après. Ce qui s'est passé c'est qu'on a été tous restés menottés. D'accord ouais. Et on est resté pendant 20 minutes menotté dans la maison, il n'y avait personne. Ils nous ont laissé tous menottés. Était menotté, ouais d'accord, pendant 20 minutes. Et après ça, il y a un DC qui est arrivé en combat, ils ont réussi à nous démenotter, on est parti. Et j'ai entendu deux noms. À quel moment qu'ils vous ont pris l'argent? C'était pendant dans la maison, pendant les coups de feu, il y a eu... En gros, il y a la police qui a commencé à tirer, ils ont envoyé des messages pour qu'ils arrêtent, et ils ont battu deux employés de la SCO et un civil devant moi. D'accord, voilà. Et vous avez des noms? Oui. Ils vous ont pris combien? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous ont pris. Il y a 19 millions qui sont perdus. Ok.
Et ils ont... Il y a monsieur... J'ai entendu un monsieur Mike Wayne. Mike Wayne. Mon commandant. Ouais. Je mets les noms où dans la plainte Romain, tu marques le monsieur Ferrara entend les noms de ouais, Mike Wayne et... Là j'en suis tout employé d'aller au thématique pendant 20 minutes. T'as été à l'école ou pas toi? J'ai D'accord, ouais, bah ça se voit. La Rampage a braqué pour 19 millions d'euros. Après en fait, le truc c'est qu'on a plus rien retrouvé, ils ont tué 3 mecs et ils ont pris tout ce qu'on avait sur nous, ils sont partis. Donc oui, il y a 19 millions qui sont... Et hop, dehors, et monsieur Thomas Ferreira. Fait quoi Ferreira a entendu. Monsieur Mike. Le nom de Mike Wayne, c'est comment ça, un ami KE. Ouais, Wayne, c'est comme ça. Non, c'est pas top. Si, pas de nom de famille. Alors, j'ai pas eu de nom de famille. Ça juste en réussite. Bah, bon, on va en parler. Tu veux mon couteau? Antoine. C'est qu'un Ivan non, point. Tu l'auras pas. Ensuite, bah, on était. Quand je... Comme j'ai dit, on était menottés. Et là, quand la DC est arrivée. Mort de rien, la Rampage. Il y a un mec de la Rampage connecté ce soir. Ah ouais, bah il y a Kylian, ouais. Ensuite la DC. Est arrivée, nous a démenottés. On est reparti. Ah. Et vous, vous aviez laissé monoter? Ils étaient partis. Oui, ils étaient partis, oui, on était tous menottés. Oui, mais il faut que je règle ça après. Ah, mais par contre, du coup, j'avais vu derrière ceux qui étaient partis. Ah, mais tu le mets à la suite, c'est pas grave. Excusez-moi. Noté. Là, tu prends tous les éléments de la personne et après, tu peux revenir dessus. Toi. Ça marche. Au pire, après, je colle la plainte et tu me dis c'est bon. Voilà, exactement. Noter tous les employés de la LCO qui étaient laissés seuls. Noter dans une maison proche du bijoutier. C'est le cas, c'est bon, les enfants, ils ont de la viande à la cantine avec les bolognaises. Ah, super! Ça tombe bien, mais mon gamin, il a faim. Il y a de la sauce tomate, on a fait du rab. Ah, merci, merci Max, c'est sympa. C'est dans le congé, je pense. HK Bateau, si tu veux, quoi. De bonne série, hein, pas croire que... ah, du coup là j'ai mis dépôt de plainte monsieur maximum. Non monsieur Ferrara dépose plainte au nom de l'entreprise. Ah, ok ok excusez-moi. Ouais parce que c'est pas lui qui est victime. Ah, ouais, c'est l'entreprise. Exactement. Alors dépôt de plainte de monsieur Ferrara directeur général de la LCO au nom... ah, ça, c'est quoi, ça, au nom de la LCO ça, la LCO. Voilà, ouais. C'est bon, au t'as fini. Au nom de... Non, mais... mais qu'est-ce qu'il marque, lui? Coucou. Mais t'es con, ou... de Monsieur Ferreira, DG de la LCO, au nom de l'entreprise du même nom. C'est bon. Coucou. Ouais, bah, si tu veux. C'est plus beau. Sinon, t'es vraiment de la LCO, qui était l'entreprise de la LCO? Quand même. C'est bien. Ah, mais je préfère le préciser. Ouais, mais précise. Ah, du coup, après, maintenant, la victime, c'est fait. Type dépôt de plainte, et après, d'exception, et c'est tout, je fais valider. Et bah voilà, c'est bon, c'est validé. Et maintenant, bien qu'on chope les gars, et ben on sait que c'est eux les braqueurs. C'est bon du coup, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'on les mettrait pas sur Interpol du coup? Bah si. Là, mais là, il faut que tu mettes les personnes sur Interpol. On occupe. Coucou. Ça me fait paniquer, mon commandant. On est les nettoyeurs de vide, c'est ça? Ça se fait. Ah, non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont jamais vu une star en fait. Et ouais, les gars. Oh là là, les biceps. Mais biceps, con. Tu veux toucher les pecs ou quoi? Ah, ça va aller. T'es sûr? Comment on fait sur un truc? Ah, t'as de la chance que j'ai pas le muscle branlette. Hein, parce que... Alors maintenant, tu vas voir le ministre et tu vas lui rendre compte des faits. Et voilà, monsieur Ferrara, il peut y aller. Là, c'est un dépôt de plainte. Attendez, faut que je mette sur un tampon. T'es un civil, t'as pas salué, toi. Merci. Repos. Bon, allez à vos missions. Bon, allez, c'est bon. Voilà, tu vas. Quoi? Oui, on va faire ça ensemble après. Mais monsieur Ferrara, tu peux libérer. Je pense qu'il a du pognon à sécuriser ou à me donner. Ouais, venez, on va aller à l'ATM. Ouais. Un peu plus loin, vers Frigny. Vers Frigny. Merci, mon petit monsieur Ferrara. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, je suis... Oh la vache, attends, je vais crever. Hop, oh là, ouais. Donc du coup, voilà, comme d'habitude. Ouais, on va mettre la main dessus.
on vous remboursera, vous inquiétez pas. La loi, c'est moi. Ça marche. Ouais. Allez, bisous. Bah non, bon, c'est bon. Et après, c'est lui, il va checker de son côté tout seul. Non, t'inquiète pas, je vais regarder le truc de mon côté. Non, en fait, là, maintenant que t'as fait ton truc, c'est bien. Ok. Faut vraiment que t'ailles à l'école, mec. Hein. J'ai été, mais genre pas longtemps. Ouais, bah, j'ai pas compris. Vous demandez à Kanamo, je vais expliquer ma vie. Hein. Non, mais je m'en fous de Kanamo, moi. Putain, mais rigole, Jason, quand j'ai dit une connerie. Ah. Voilà, voilà. Putain, il reste encore plein de sauce tomate là-bas, fait chier. Oh merde! Ça a tout débordé. Sérieux? Ah oh, putain, ouais. Sherman, merde! Pas discret, toi. Oui, on va l'aspirer le sang. Allez. Et mon sabre, il est propre ou pas? J'ai mis avec un petit coup de. Il est inoxydable, parce que bon, sang, voilà quoi. Oh, c'est un truc d'occasion, on s'en fout. C'est un truc que j'ai acheté 8€ à la foire fouille. À la foire fouille! J'ai mis du détergent dessus. Que je vous en offre à nouveau. Un bon. Un bon? Ouais. T'es en train de me dire que tu vas m'offrir un cadeau à mon anniversaire pour m'emballer le soir en fait. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, d'accord. Laisse-moi me tomber. Hop, je vais mettre là moi. Ah non, il est plus le. Alors, oui. Je t'ai pas mis dans ton sac, dans ton sac. Ah, tu m'as mis directement dans mon sac. Bah ouais. Moi, je suis un mec bien, moi. Ah ouais, un mec bien. Ah, oh ouais, putain. Un mec qui fait ouais. Des trucs bizarres. Comme ça. Ah oui, il faisait des bruits chelous. C'est pas en train de la voler. Ah non, laissez, c'est Patrick. Hein. Oula. Lui, faut pas l'emmener à la DC hein, parce que tout. Il appelle tous les employés et vient le sucer. Oui. Il a voulu essayer. C'est quoi ton ton gilet Made in China? Ah, il est coma là. Il va se réveiller, il va se réveiller. Il va se réveiller, t'inquiète. Ouais, malheureusement. Il a pris cher. Pourquoi vous avez fait ça, mon commandant? C'est bon, t'as parce que t'as tendu le bras au même moment où je l'ai rangé. Ça coupe, hein, c'est comme une lame de rasoir. Voire même. Ça arrive, hein. Je te raconte pas les boulettes que j'ai coupées avec. Hein. Tota? Bon, j'ai voulu nettoyer. Oui. Tota? Oui. Chante une chanson. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Alors stop. Ça c'est une chanson qu'on me raconte, qu'on me chante à chaque fois que je demande une chanson. Chante-moi autre chose. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est belle Corrèze Chanel. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. Attends, Jason. Merci. Moi, je sais pas chanter. Si, alors, bah, fais Tarzan alors. Fais Tarzan. Non, non, tu fais Tarzan. Je connais pas, je sais pas ce que c'est. Bah, je viens de le faire. Tu fais comme moi. Oh. Plus fort, Jason. Allez. C'est Tarzan. Allez, vas-y. Ouais, c'est facile à faire. C'est bien, Jason. C'est bien. Tu seras peut-être dans la police. Ou pas. Yes. Bon. C'est pas tout ça, oh, mais. Putain, t'es gros. Comment ça, je suis gros? Oh, il est safe. Il faut lui mettre un coup de défibrillateur et peut-être une morphine, s'il vous plaît. Mais là, il est encore coma là? Ouais. C'est ma chose, mon commandant, c'est normal. Putain, c'est encore Bélic quoi. Ouais, c'est ma chose. C'est ta chose. Gouloum gouloum. Hop. Ah, dès que c'est plus une fille. Oui? Non, j'écoute ce que tu dis en fait. Ah, je parlais à Gaëtan parce que tout à l'heure, il a mis un traceur sur une voiture de la sécurité civile. Ouais, d'accord. Bah, moi j'en ai mis une sur la tienne. T'attends bien, j'en ai pas. Non, moi j'en ai pas, Vous êtes pas déçu, Gaëtan, votre chose est morte. Oh non, mais arrêtez les gars, putain. Nul. Mais non, les mecs, putain. C'est nul ce que vous faites, les gars. C'est ah ouais, nul. Carrément. Oh là là. Franchement, c'est nul. Moi, je j'ai. Est-ce que vous avez un sac mortuaire? Bon, voilà. Je donne tant qu'il y ait. Une minute. Je te la mets dans la voiture? Mais j'ai un problème en fait, c'est que. Voilà, petit bague. Enfin, tu m'as compris quoi. Vous avez un sac mortuaire? Vous avez un sac poubelle
Un sac poubelle? J'en ai pas là, non. Oh, t'as pas un sac poubelle? Putain. Et puis on va aller chercher celui avec l'autre corps. Hein. Snid, tu peux me chercher la boîte où il a mis de viande mais pour les bolognaises. En fait, il a craché le nom ou pas? Non, il a pas voulu. Mais il a pas le choix en fait. Pas voulu. Ah. Donc du coup, j'ai coupé un orteil. Vous savez qu'il y a un club qui existe en France où... Ouais, la boîte à cul, un écheuil. Non, mais c'est les orteils des cochons. Hein. Ah mince. Ça se bouffe les petits cochons. Bon! Mais casse-toi! Bon. Voilà, il n'y a plus rien à faire. Hop! Du coup! Merci! De m'avoir suivi ce soir. Encore une fois, vous étiez super nombreux pour arma@altislifefrance.com. Merci beaucoup à tous. Merci à tous les nouveaux de nous avoir follow, de nous avoir rejoints. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci Agent Spectra. Merci Fifu Gaming. Merci Cri. Merci. Oulapo. Merci Marmoud. Merci Stevers. Merci Dolph. Merci Alpha. Merci Paul Moissonnier. Merci Mortaxi pour ton don de 10€. Merci Stevers pour tes beats. Et avant de vous se quitter, on va faire le résultat du giveaway du jeu concours pour le jeu gratuit. Donc vous étiez nombreux à participer, mais très peu nombreux à avoir eu la bonne réponse, parce que la réponse c'était 157 épisodes. Là, le grand gagnant du giveaway de ce soir, du live 20h minuit, et Fire West PVP. PVP. Fire West, félicitations à toi. Tu as gagné le jeu que je t'offre. Suite à ce giveaway. Donc c'est toi qui es le grand gagnant de ce jeu concours. Donc je t'invite à venir sur Discord, m'envoyer un petit MP pour que je puisse te donner les modalités pour avoir ton jeu Uplay gratuit. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous d'avoir été très nombreux encore ce soir. Merci merci aux gens qui sont morts au LSD. Merci à spéciale dédicace aux nouveaux. Merci à la team Lapinou d'être là. Merci à vous de faire vibrer le chat avec vos jeux, vos commentaires, vos discussions et tout ça. Merci, on atteint bientôt la barre des 350 followers. On approche des 400 followers. Voilà. N'hésitez pas à follow la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas fait. N'hésitez pas. C'est fait pour. Alors moi, je vous quitte. Ce soir, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un R6 communautaire sur R6 Discord. Venez nous rejoindre. Je me bafouille un peu là ce soir, c'est normal. N'oubliez pas demain matin la matinale, fin de matinée comme d'habitude. Demain après-midi, certainement un petit R6 ou quelque chose en communauté. Et le 20h minuit, altislifefrance.com. Merci à vous tous. Partagez Springfellow TV, followez la chaîne, abonnez-vous sur YouTube, rejoignez-nous sur Discord. Merci à vous, prenez soin de vous, bonne nuit, à tout à l'heure. Ou à demain pour certains. Bonne nuit à tous. Et voilà la famille. Le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfellow TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.